Avec la grosse merde, va. Donc, coucou les gens. Donc là, on se retrouve pour une vidéo qui a rien à voir avec les jeux vidéo. Changer un peu, puis de toute façon, j'ai vu que ça n'intéressait pas tant que ça. Je vous propose ce soir de vous instruire. Si vous en êtes capable. Donc on va lire un livre. Un livre très intéressant. Qui est ici. Je vais vous mettre en vocal, ça vous serait pas emmerdé. Fabrication. Donc j'avais déjà Accessit commencé. soudant, barre à probable. J'avais déjà commencé du coup l'ouvrage. On en était à peu près là. Bon, bah, ça racontait en gros que dans nos sociétés, on était enfermés dans des petites emprises, dans des petites boîtes, que chacun avait une liberté limitée. Voilà, il n'y a pas de texte là, je sais pas pourquoi il n'y a pas de texte. Il y en avait normalement. D'accord. C'est un bug. Ou que ça doit être un bug parce que du coup j'ai pas vu. Effort et souffrance, je sais plus où on en était. J'ai dû noter la page. Bon, on va juste remettre play. Significative encore. Preuve. Encore. Pense que je suis un peu loin dans le livre. Oui, je vais être un peu loin. Je sais plus où on était. Alors, la société, nos machines. Faut j'en étais par là autour. Là, on va repartir depuis là, je pense. Ça vous permet aussi de voir une partie que vous n'avez pas Tricher. lue. Dans la vraie vie, le travail collectif, c'est sérieux. À l'école, le travail collectif, ce n'est pas sérieux. Comment s'étonner qu'une humanité nourrie à ses principes soit incapable de coopérer mondialement, aussi bien pour préserver la Terre que pour se préserver elle-même? Comment ça? En tout cas, si je peux dire juste un truc, tout ce qui est écrit là, c'est pas des conneries, hein, tout est vrai. Savoir si aujourd'hui l'école fait plus de bien que de mal? Ce sont des gens fièrement scolarisés, persuadés de leur valeur individuelle, qui ont commis s'embrocher les plus faramineuses atrocités sur Terre, preuve que l'excellence scolaire échoue à sélectionner la bonté et l'humanité. Dans la vraie vie, l'humanité crée une diversité de pensées, de pratiques, de méthodes, d'esprits. Dans la vie notée, l'école dit, hors de ma mesure, point de salut. Pourtant, face à l'échec scolaire, cette même école admet que la priorité, c'est au moins la socialisation de l'élève. Comment alors l'encourager si on ne lui apprend à travailler qu'individuellement? Je suis convaincue que la socialisation, à l'école, se produit par accident et dans la cour de récréation, pas en classe. Je me demande même quel serait le score de socialisation de l'école par rapport à une cour de récréation permanente. Jusqu'à présent, aucune étude n'a confirmé la supériorité de la classe en ce sens. Contrairement aux sociétés traditionnelles et natives, où l'existence est une place et où perdre sa place est une perspective tellement terrifiante que l'on fait tout pour y rester, dans nos sociétés postmodernes, la place ne va pas de soi. D'où une culture de la place fixe 1, qui est à la fois une culture de la conformité et de l'exclusion. Car notre société est une sorte de machine. Alors, pour y avoir une place, il faut être une pièce conforme et d'une certaine qualité. C'est précisément ce que fait de nous l'école. D'une masse d'enfants ouverts, créatifs, spontanément fraternels et non conformes, elle fait des pièces séparées. Vous avez étudié à Polytechnique? Votre salaire sera supérieur à celui d'un ancien élève de l'Université de Tours. Parce que dans l'usine, la pièce sortie de Polytechnique est plus chère. L'école est une colonne de décantation qui crée des classes, et c'est pour cela qu'elle ne peut pas satisfaire tout le monde, il est. Heureusement, à l'heure où j'écris ces lignes, cette culture est en plein bouleversement. Libérez votre cerveau. 38. 2666. Enfin, il dit que c'est en plein bouleversement, mais ça n'a pas tellement changé, hein, finalement. Mais bon. 2666 8 7
inscrit dans son cahier des charges qu'elle doit décevoir des usagers et, par principe, décevoir l'homme plutôt que l'usine qui est son client final. Pour changer l'école, il suffirait d'admettre que c'est l'humain, le client, pas le système. Nelson Mandela a eu 1000 fois raison de clamer « Si vous voulez changer le monde, changez l'éducation. » Et cela ne pourra se faire individuellement. Axe Kololing, la nouvelle école buissonnière. L'humain est né conforme, mais conforme à l'humanité. Or, lâche humanité n'est pas une création humaine, au contraire de la conformité scolaire, économique ou politique. Mettre une création non humaine, que nous ne maîtrisons pas, à la norme, à la forme d'une chose humaine, que nous maîtrisons mais qui est infiniment plus rudimentaire, c'est un acte perdant en soi. Nous l'avons vu le siècle dernier, en demandant à la nature de produire comme nos usines, alors que c'est à nos usines de produire comme la nature. La soumission de l'humanité à la conformité, forcée de surcroît, me rappelle la fable soufflée de l'aigle et de la vieille femme. Un aigle épuisé tombe au pied d'une vieille femme qui n'a jamais vu que des pigeons, au point que les pigeons sont les seuls oiseaux qui lui soient familiers. Pleine de pitié, elle recueille l'aigle et lui dit « Tu n'as vraiment pas l'air d'un oiseau. » Elle lui ampute alors une. Partie du bec, lui taille les serres et lui arrondit les ailes avant de. Le laisser prendre un envol brinque-ballant. Va, maintenant, tu as vraiment l'air d'un oiseau. Voilà, qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à cette métaphore? Quand une vieille femme dit qu'elle a jamais vu, elle a vu que des pigeons, donc en fait, on va dire que la conformité, ça va être la vieille dame, elle a vu que des oiseaux, que des pigeons. Donc forcément, quand elle va voir un aigle, bah pour elle, bah pour lui, c'est pas un pigeon, donc elle n'est pas conforme à la chose. Donc bah, elle essaie de remodeler la chose pour que ça ressemble à un aigle. Sauf que bah, à la base, c'est un pigeon, c'est pas un aigle. Ce qui fait que bah, au final, ça lui a détruit les ailes. Voilà. Il lui a explosé la moitié de la tête pour pouvoir rentrer dans une petite case. C'est un peu ce que fait la société. C'est un peu ça, quoi. Oiseau. On pourrait dire que c'est comme une sorte de dissonance, quoi. Entre la réalité de ce qu'est la société et de ce que les gens sont. Oiseau. Les bonnes intentions ne suffisent pas quand il s'agit de sculpter le cerveau. Seule la sagesse importe. Le pseudo-pigeon de la fable, qui n'assume pas d'être un... D'ailleurs, je crois que j'ai gardé la phrase parce que je trouvais qu'elle était vraiment bien. Ah non, je ne l'ai pas gardé. Bon, je devrais me le mettre dans un coin aussi, celle-là est sympa. Est-ce que je me garde ce genre de phrases, je vais les envoyer après aux employeurs qui sont un petit peu cons, pour les rendre plus intelligents, j'imagine. Enfin, même si je doute que ça fonctionne vraiment, parce qu'ils sont à mon avis terriblement cons. Ne veux pas sélectionner. Après, ça peut être une bonne chose, hein. Ça permet de leur dire qu'ils sont un petit peu débiles sans leur dire qu'ils sont débiles. Je trouve ça sympa. D'être un aigle et ne sera jamais un pigeon malgré toutes ses souffrances, c'est une production bien trop fréquente de nos systèmes éducatifs. L'humanité est supérieure à la conformité, et la conformité, qui est une création non humaine, ne peut s'appliquer qu'aux autres créations non humaines, pas à l'homme lui-même. L'homme libéré, c'est l'aigle du comte, qui a été élevé parmi les pigeons messets. Oui, il faut tout changer à notre école. 39. Je remets. 2666. Souvenu qu'il était un aigle, dans un pays où tout ce qui ne ressemble pas à un pigeon sera méprisé. Dans une série d'examens destinés à sélectionner le pigeon le plus conforme, un aigle échouerait lamentablement. Devrait-il s'en vouloir pour autant? Tous les « extraordinaires » que j'ai vu rencontrer se sont, évidemment, opposés à la conformité. Ils n'ont pas essayé d'entrer dans un moule, ils ont été un moule eux-mêmes, ce qui est l'ordre naturel de l'humanité. Nous ne sommes pas là pour nous conformer à une empreinte, mais pour laisser la nôtre. Aucun de ces personnages n'était du genre à rester à sa place, sauf si c'était une place qu'il s'était définie lui-même, et pour un temps seulement. Tous étaient devenus autonomes, dans leur soif d'apprentissage. Un reproche immense que j'ai à faire à la plupart des écoles que j'ai fréquentées, c'est qu'elles n'hésitent pas à troquer les merveilles. Le Mans contre la conformité. C'est pour cela que la vulgarisation. Alors attendez, j'ai un tout petit. J'ai l'impression qu'il plantouille un peu. Je vais essayer de relancer. On est quoi qu'à page 40, vulgarisation. Je vais juste noter ça pour l'instant.
Donc, vulgarisation, page 40. Je vais recharger, je pense que. Parce que là, il y a du mal. Il a un peu du mal, le navigateur, je vais le recharger. En tout cas, oui, moi je trouve ça vachement intéressant ce qu'il a écrit, cette personne, Ibris Amberg, qui a écrit ça. Vraiment terrible. En termes d'humanité, c'est vraiment pas mal. 2668-7IJ-BAS-CERVEAU-BAS. Je sais pas où il est parti. 2668-7IJ-BAS-CERVEAU-BAS-CSI-CCC.INDT en 2 septembre 2. Mais je sais pas où il va. 2668-7IJ-BAS-CERVEAU-BAS-CSI-CCC.INDT Ah, il est au début, de lui. 2 septembre 2016-14. Mais bah attends, on est à la Collection page créée. 40. Libérez votre. 2668. Page 40, on n'y est pas, là. On peut pas. Libérez votre cerveau. Moins. Moins. Non, ça, j'ai pas vu. SA1 à 2B et 1B2. AVV versus IFIP MPMF mouité. Oh là, on est beaucoup plus loin que la 40. Ça y est, PTF la VSA ci-dessus 40. le modèle. VSA PTF. C'est quoi ça? C'est la page 96. Non, c'est pas là. Ça, j'ai vu. Page combien? 2668-7IJ-BAS-CERVEAU-BAS. 28. Je reviens vite à la page 40. Hein. 2668-7IJ-BAS-CERVEAU-BAS-CSI. C'est dommage, on ne peut pas chercher par page. Personne utilisant. Une fois que vous apprenez ça, votre vie ne sera plus jamais la même. 40. On peut pas charger par Oh. page. Attends, juste si je fais F40. Ah bah voilà, ça m'amène directement ici. On est à peu près par là, je crois, vulgarisation. Opposés à la conformité. Ils n'ont pas essayé d'entrer dans un moule, ils ont été un moule eux-mêmes, ce qui est l'ordre naturel de l'humanité. Nous ne sommes pas là pour Un nous petit peu plus. conformer à une empreinte, mais pour laisser la nôtre. Aucun de ces personnages n'était du genre à rester à sa place, sauf si c'était une place qu'il s'était définie lui-même, et pour un temps seulement. Tous étaient devenus autonomes dans leur soif d'apprentissage. Un reproche immense que j'ai à faire à la plupart des écoles que j'ai fréquentées, c'est qu'elles n'hésitent pas à troquer l'émerveillement contre la conformité. C'est pour cela que la vulgarisation scientifique, dont le but premier est l'émerveillement, est encore si méprisée en France par les gens conformés. Émerveillement contre conformité. Cet échange est une très mauvaise affaire. L'émerveillement est le moteur de l'apprentissage et de la découverte. L'échanger contre les examens, c'est échanger un moteur contre une carrosserie. Paolo Lugari a su résumer cette question en une phrase. Il vaut mieux un débutant enthousiaste qu'un prix Nobel déprimé. Combien d'élèves rentrent à l'école? Avec de l'enthousiasme et peu de savoir-faire, et en sortent avec. Un peu de savoir-faire et plus aucun. D'un enthousiasme? C'est pourtant l'enthousiasme qui motive le savoir-faire, pas l'inverse. L'expert, elle est extraordinaire, fait toujours preuve d'une pratique délibérée dans le domaine qui fait son expertise. Il se met au travail tout seul, selon une dynamique opposée à celle de notre école. Tel fut le cas de Taylor Wilson, né en 1994, qui, à l'âge de 14 ans, réalisa dans le garage de ses parents une fusion nucléaire de terbium-deutérium dans un fuseur de Farnsworth de sa propre fabrication. À ses 18 ans, Barack Obama lui confia l'accès professionnel à un laboratoire dans le Nevada, vous ne verrez jamais cela en France, et il reçut la même année une bourse Thiel, spécialement conçue pour convaincre les jeunes talents de quitter leur étude afin de créer une entreprise. C'est probablement. Libérez votre cerveau. 40. 2, 6, 6, 6, 8. La première fois que l'on crée une bourse, non pas pour rester à l'école, mais pour en sortir. Jacques Andraka, né en 1997, a prototypé une nouvelle méthode de diagnostic rapide du cancer du pancréas. Esther Ocade, née en 2005, a été admise à 10 ans à l'Open University, en licence de mathématiques. À l'âge de 16 ans, Grace Bush a terminé la même année son lycée et une licence de droit avec mineur en espagnol, South Florida University. En France, Arthur Amandrizoa, né en 1978, a été le plus jeune bachelier que la France ait connu. Il avait 11 ans et 11 mois et n'avait reçu aucune éducation formelle. D'où le titre de son autobiographie, Mon école buissonnière. La France a-t-elle pris la mesure de l'expérience de Amandrizoa pour réformer son école? Bien sûr que non, cela n'entrait pas en C. Case. Prenons le cas de Logan Laplante, dont la vidéo que. Donc toujours un petit peu ces histoires de cases, hein, parce qu'en France ils adorent les cases. Il faut avoir les diplômes, il faut avoir le permis de conduire, c'est toutes des cases quoi. Donc ça casse les couilles un petit peu les cases, et c'est un petit peu ce qu'ils disent dans cet ouvrage justement. Ils essayent un peu de sensibiliser aux gens qu'on peut réussir sans être dans des cases. TEDx Actually Mac Menapi en a déjà fait le tour du monde.
Le Actualing désigne une école buissonnière 2.0, incluant les nouvelles technologies et la mise en réseau. Pour une présentation qu'il a réalisée à l'âge de 13 ans, la plante cumule plus de 9 millions de vues aujourd'hui. Il est aux États-Unis ce que Ramon Rizzo est à la France, et les conférences TEDx sont encore en réserve des tables prodiges de Satran, comme Kate Simon ou Thomas Suarez. Ces gens-là me font penser que nous sommes tous des prodiges en puissance, pour peu que nous soyons tombés amoureux d'une connaissance, d'une activité, qui suscite en nous une pratique délibérée, acharnée et aspirée. Car il n'y a pas d'excellence sans amour. Et l'école n'a pas, n'a jamais eu, le monopole de l'excellence. Le homeschooling systématique reste à inventer, et c'est ce que propose la plante en décrivant le concept, en homeschooling, il. N'y a pas de notes. Et de fait, quels parents vont noter leurs enfants? On fait noter sa progéniture pour ne pas avoir à s'occuper soi-même de son éducation, c'est tout. Il n'y a pas non plus de programme, de sorte que l'on explore le savoir selon son désir, en le développant perpétuellement plutôt qu'en l'éteignant. Car l'enfant n'est pas un vase qu'on remplit mais un feu qu'on allume de, une. 1. L'école buissonnière me rend heureux. Oui, il faut tout changer à 41. 2. 6, 6, 6, 8, 7. Sapience totalement oubliée dans l'école d'aujourd'hui. L'heure n'est plus à l'éducation de stock mais à l'éducation de flux, c'est à la dynamique d'apprentissage qu'il faut s'intéresser, pas au stock de savoir. Il faut rendre nos enfants gourmands de savoir. Cela tombe bien, ils le sont naturellement, à la naissance. Pour réaliser le Axcalling à l'échelle mondiale, je ne connais pas de meilleur moyen que la méthode et ses erreurs. Il faut expérimenter de nouvelles pratiques pédagogiques autour, notamment, de ce que le psychologue Stanislas Dehaene a appelé les 4 piliers de l'apprentissage 1, l'attention, l'engagement actif, le retour d'information, la consolidation. Et c'est précisément, nous le verrons, sur ces 4 éléments que les jeux vidéo se révèlent de redoutables technologies de neuroergonomie. Ils captivent et canalisent l'attention, ils suscitent un engagement actif, une pratique délibérée. Ils encouragent l'essai-erreur avec pénalité et récompense. Mais sans peur et sans humiliation, bien qu'ils notent davantage, plus souvent et plus intensément que l'école. Ils consolident les acquis en allant... Ah tu vois, bah ça par contre, je savais pas que les écoles... Enfin pas les écoles, non. Je savais pas que les jeux vidéo, ils étaient vraiment très très bien pour la canalisation de... Enfin, bien sûr, ça prend du temps évidemment, mais je savais pas que ça pouvait vraiment aider. Ça peut vraiment aider apparemment. C'est pas des conneries. Ça, c'est cool. C'est toujours bon à prendre. Allant crescendo dans les compétences de jeu. Toute école trop arrogante pour apprendre deux se condamne à la décrépitude dans un monde où les flux de connaissances explosent. L'idée du Axcalling, c'est précisément de faire dialoguer avec l'école cette culture du garage de la Silicon Valley, du Fab Lab 2. Les multinationales sont capables de recréer un supermarché entier dans un entrepôt pour étudier les comportements d'achat et innover dans la façon de vendre leurs produits. Apple ou Starbucks ont des magasins pilotes, dans d'immenses hangars, qu'ils consacrent à l'innovation d'usage. Si nous sommes trop dogmatiques pour butiner les meilleures pratiques où qu'elles se trouvent, nous ne ferons jamais évoluer l'école. 1. Dehaene, S. Libérez votre cerveau. 42. Mon école, c'est de la merde. Ces Fab Schools du futur devraient se construire comme des écoles pilotes où l'on expérimenterait de nouvelles pratiques éducatives, avec liberté absolue du professeur, de tout accompagner d'un wiki où les enseignants partageraient entre eux leurs méthodes, jusqu'à ce que les plus efficaces émergent. C'est cela, elle, l'éducation basée sur l'épreuve, sur l'expérience directe, et c'est le contraire d'une éducation stérilisée qui annonce des p-values incantatoires. Dans un monde en réseau, horizontal, éclectique et évolutif, notre éducation est tout en hiérarchie, verticale, dogmatique et figée, et c'est pour ça qu'elle est de plus en plus inadaptée. Elle ignore que le pire des risques, c'est encore de ne pas en prendre. Selon Nassim Nicholas Taleb, le rôle de la bureaucratie, c'est de mettre un maximum de distance entre le preneur d'un risque et le receveur de ses conséquences. L'éducation nationale est truc. Tuerait de cette façon, s'il y a échec scolaire, qui est responsable? Le ministre? Le recteur? Le programme? L'inspection? Le chef d'établissement? Le professeur? Reste un seul coupable possible, l'élève. La meilleure façon de progresser, c'est d'être au contact immédiat des conséquences de ses décisions, et c'est exactement le contraire de ce que fait un ministre. Le professeur, lui, est au contact des élèves, et cette responsabilité, il faut la lui reconnaître, il est le plus à même d'expérimenter des pratiques pédagogiques et d'innover. Il est le seul à qui l'on puisse confier l'innovation pédagogique basée sur l'expérience. L'école des extraordinaires. Je suis passé par beaucoup d'écoles, notées ou pas, et des plus ou moins inattendues d'eux. L'une d'entre elles fut le monde des médias, envers lequel j'avais beaucoup de préjugés, ayant été éduqué dans une tradition française élitiste. En fait, j'explique un petit peu la chose, mais à la base, c'est un ouvrage d'un gars qui a fait beaucoup d'écoles dans sa vie et qui dit justement que ben, ça sert peut-être pas à grand-chose de cumuler des parties d'écoles. Il dit ben, que les écoles, c'est pas si bien que ça, finalement. Et qu'il valait mieux être autodidacte et apprendre de soi-même. En tout cas, qu'il faudrait favoriser. Et puis toi, va niquer ta mère. L'élitiste qui méprisait instinctivement. 1. Le data dredging, triturage de... Oui, il faut... 43. 2. 6, 6, 6, 8, 7, 8, l'exposition médiatique.
Comme tout le monde, j'avais tendance à privilégier ma caste et à lui donner a priori raison contre les autres sans réfléchir. Depuis, je ne me sens plus solidaire d'aucune caste. Mon attitude a changé lorsque j'ai rencontré le paléoanthropologue Pascal Pic, maître de conférence. Je pense qu'il a voulu parler de caste à mon avis parce qu'une caste, je sais pas ce que c'est moi. Là, je vais juste avoir un truc. On est bien sûr bon. Conférence au Collège de France. Ah, c'est juste. Cet homme s'est vu reprocher maintes fois son exposition médiatique, alors qu'elle n'éduque à son excellence à populariser la science. Je me suis senti aussitôt une grande affinité avec lui. En France, hélas, on ne dit pas populariser, mais vulgariser. Tout en découle. Populariser, c'est vulgaire et compromettant. Cela peut paraître surprenant, mais j'ai souvent constaté que des gens qui se piquaient de sérieux et de logique avaient tendance à fonder leur activité sur des croyances et des superstitions qui ne disent pas leur nom. L'idée que la bibliométrie et la revue a priori améliorent la science, par exemple, est une superstition qui n'a jamais été démontrée par les moyens scientifiques même qu'elle publie. Elle est une pseudo-science non contradictible, mais cela n'empêche pas la majorité des universitaires de s'y soumettre aveuglément et de la citer dans leur curriculum vie. Au fond, nos sciences n'ont qu'un empan minuscule ce qui n'est pas une critique mais une observation. L'objet de fabrication humaine le plus éloigné de la Terre aujourd'hui est à peine sorti du système solaire. Même par le signal lumineux, toute notre capacité scientifique à influencer matériellement l'univers est confinée à une sphère d'au mieux 200 000 années-lumière, et en vérité, plutôt 200, dans un univers observable qui a lui-même un rayon de 47 milliards d'années-lumière. En gros, si l'on suppose qu'un signal lumineux a été envoyé au ciel par le tout premier homme, notre sphère d'influence sur l'univers observable représente au mieux 0,000000000000077% du volume de l'univers, 14 zéros après la virgule, en admettant, bien sûr, qu'il n'existe pas d'univers parallèle. Face à un tel résultat, le plus minuscule effort pour faire progresser la science dans l'humanité devrait être immédiatement encouragé, et aucune science tech. Nick ne devrait plus se montrer arrogante. J'ignore du chercheur. Avant supposant que le premier Homo sapiens sapiens ait envoyé un signal lumineux précis au ciel. Libérez votre cerveau. 44. Fondamental du vulgarisateur, qui a fait le plus pour la science, car je n'ai jamais vu de démonstration scientifique de leur influence respective et de la supériorité de l'une sur l'autre. Celui qui sème l'émerveillement scientifique dans des millions d'âmes et dans les cœurs des générations à venir joue un rôle colossal, qu'on le lui reconnaisse ou non. La science, la vraie, n'a que faire de l'ego des humains, de leur réaction épidermique, de leur pseudo-religion, de leur mépris, elle est trop peu développée dans l'humanité pour se permettre des caprices aussi puérils, superficiels que le mépris de la vulgarisation. Mais ce à quoi nos sciences et techniques sont confinées dans l'univers matériel est à la mesure, inverse, de leur ego. En 2014, j'ai été invité à participer en tant qu'expert scientifique à une émission de divertissement produite par une société que certains collègues considèrent comme le diable en personne. En demol. L'émission s'appelait Les Extraordinaires. Elle était prête. Santé par Christophe de Chavannes et Marine L'Orphelin, dans le cadre d'une franchise globale nommée The Brain, qui avait connu un succès immense aux États-Unis, en Italie, en Allemagne et en Chine. Dans ces quatre pays, aucun des experts conviés n'avait trouvé l'activité compromettante, mais moi, j'ai dû publier une tribune sur le site du Huffington Post pour expliquer mon choix. Et même en y écrivant que faire connaître les mots « mémoire épisodique », « cortex entorhinal », « sillon intravariétal » et « hippocampe » à 4 millions de personnes d'un coup me semblait justifier cette apparition télé, j'ai pu faire l'expérience de ce que la vulgarisation, si elle est compromettante pour une certaine frange du monde universitaire français, devient scandaleuse lorsqu'elle fait de l'audience. C'est l'une des leçons que j'ai apprises à elle, l'école des extraordinaires. Une autre leçon, qui relève cette fois du management, pour l'avoir enseignée, je sais que faire... Attends, je vois un truc... Je vais pas regarder si j'étais bien en stream, normalement oui. Il lag. Hein. Ouais, si c'est bon. Moi. Connexion excellente. Ouais, c'est bon. Ouais, il y avait déjà des messages. Ah si c'est bon. J'ai rien dit. Moi je relance. Faire fonctionner une société n'est pas chose facile. Or, j'ai pu voir de l'intérieur comment Andmol France fonctionnait. L'entrepreneur turco-allemand ALP Alpin m'a dit un jour, l'ego, c'est le premier destructeur de valeur dans une entreprise.
Ce que j'ai pu observer dans les studios et les bureaux, c'est une capacité fine à calmer les égos de ces célébrités suivies par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Oui, il faut tout changer à notre école. 45. 2-6-6-6-8-7. De l'extérieur, on imagine ces gens dans de grands bureaux en acajou, entourés de toutes ces paillettes qui caractérisent les caprices de stars, et on les rencontre finalement dans un bureau anonyme d'Aubervilliers, installé dans des open spaces qu'ils partagent parfois avec des stagiaires. Autre leçon de elle, école des extraordinaires, casse tes clichés pour y faire entrer la réalité, ne casse pas la réalité pour la faire entrer dans tes clichés. Si vous êtes un expert des prodiges et des athlètes de la mémoire en neurosciences, il vous faudra beaucoup de temps pour réunir des sujets d'études vraiment rares entre 2 et 5 sujets par an pour les meilleurs laboratoires. Force de frappe d'un casting professionnel aidant, l'émission m'en a procuré plus de 25 sur une seule année. Quand j'étudie les experts, je classe souvent l'ampleur de leur expérience en heures de pratique. Par exemple, 5 heures. De pratique pour atteindre leur niveau, 5 fois 100, 50 heures. 500 heures, 5000 heures, 50 000 heures, 5 fois 104. Cela donne une bonne notion de la difficulté d'une tâche, son rayon d'action dans la sphère de l'expertise en quelque sorte. Dans la sélection des « extraordinaires », il n'y avait pas d'expertise sous les 50 heures, mais certaines, qui semblaient très impressionnantes, pouvaient s'atteindre à ce prix, relativement faible. L'accroche de l'émission était « des Français ordinaires aux capacités extraordinaires », ce qui est tout à fait vrai. On se fait souvent des idées sur les « extraordinaires ». On croit qu'ils sont venus au monde avec une capacité spéciale, mais plus on les étudie, plus on penche en faveur de l'explication selon laquelle ils ne sont pas nés avec leur talent d'athlète mental, mais qu'ils ont grandi avec le désir de le développer. Pour eux, c'était souvent une obsession, quelque chose de drôle, de gratifiant. Il a existé un carburant dans leur vie pour leur permettre d'atteindre des milliers d'heures de pratique avec une grande intensité d'attention. Quand vous avez atteint 50 000 heures de pratique délibérée sur un sujet, vous êtes un grand expert et vous pouvez devenir un trésor pour l'humanité. L'intérêt d'exhiber les performances mentales de gens expérimentés dans un média de masse, c'était de montrer à tous le potentiel d'un cerveau affûté. L'une des barrières à l'affûtage cérébral, c'est l'idée qu'il est impossible. Notre cerveau est comme un. Libérez votre cerveau. 46. 2-6-6-6-8. Diamant que l'on peut tailler. Tout le monde est capable de le faire, nous pourrions tous être des extraordinaires. Ce qui sépare un extraordinaire d'un ordinaire, c'est la pratique délibérée, dont le moteur le plus puissant est, bien sûr, l'amour. Seul l'amour de votre tâche vous permettra de faire ce que fit Valentin, candidat de l'émission en 2015, passer des heures à potasser 250 vues satellites de villes françaises et identifier une ville d'après une seule vue aérienne couvrant un demi-kilomètre carré. Notre cerveau excelle dans la reconnaissance des formes, et c'est à cette mémoire des formes de Valentin qui appelle pour réussir l'épreuve, mais, au-delà, il est découvrir chaque image d'une signification, éventuellement d'une narration, afin d'en faciliter la mémorisation. La narration est une méthode connue des athlètes de la mémoire. Le mnémoniste Joshua Foer a écrit un livre sur le sujet, Moonwall. King with Einstein, The Art and Science of Remembering Everything. Comparable à celui du français Jean-Yves Ponce, touche à tout de la mémorologie, qui explique avec pédagogie comment développe faire extraordinairement sa mémoire. Le titre du livre de Jean-Yves Ponce, Napoléon joue de la cornemuse dans un bus, est une phrase qui encode une série de chiffres pour en faciliter la mémorisation. Transformer le code à retenir en langage est une façon simple de le diriger vers d'autres fonctions de notre esprit qui le mémoriseront mieux, en particulier notre mémoire à long terme. La méthode personne-action-objet procède de ce principe. Si vous devez, par exemple, retenir le code 24B1551 à 1375, il vous suffit de mémoriser une phrase, beaucoup plus ergonomique car mieux distribuée dans votre cerveau. Jacques Bauer boit une grande bouteille de pastis à Marseille avec un Parisien. Jacques Bauer est le protagoniste de la série 24 heures chrono, d'où le 24, le verbe « boit » commence par la lettre B, la contenance d'une bouteille de vin standard est de 1,5 litre. On boit du pastis 51 à Désignera, le département de Marseille, c'est 13, celui de Paris, c'est 75. On retrouve ainsi le code 24B1551 à 1375. Oui, il faut tout changer à notre école. 47. 26688. Ce qui rend les codes et les chiffres difficiles à retenir, c'est qu'ils ne sont pas réifiés, c'est-à-dire concrétisés. A 13 ne veut rien dire en soi, mais c'est le numéro d'une autoroute en France et si vous l'avez emprunté souvent, il vous sera très facile de l'associer à ce numéro abstrait. Eh bien, c'est exactement ça, donner des poignées aux objets mentaux pour mieux les tenir dans notre vie mentale. Les athlètes de la mémoire s'entraînent à rendre de telles associations systématiques, si bien qu'un code finit par toujours vouloir dire quelque chose pour eux. Quand ils atteignent un haut niveau, comme Jean-Yves Ponce, cela devient une seconde nature. Ponce a dépassé les 5000 heures de pratique délibérée et attentive, il est d'ailleurs plus proche de 50 000 heures. Mais on peut obtenir des résultats des 50 heures de pratique, car au fond, faire de la méthode PAO une seconde nature, cela revient à apprendre une nouvelle langue, simple, au vocabulaire limité, et dont on construit soi-même la grammaire. Dans une autre époque, preuve de l'émission, une candidate devait se souvenir d'une série de mariés, des hommes habillés en noir et des femmes habillées en blanc, sans avoir à retenir leur visage. L'épreuve se résumait donc à retenir des bits informatiques, 0 ou 1, ce qui est assez facile si on les arrange par 3.
Une série de trois bits binaires donne une possibilité, que l'on appellera, par exemple, ACTERC. Pour retenir n'importe quel enchaînement de 50 personnes selon le seul critère qu'ils sont un homme ou une femme, il suffit donc de retenir deux codes de 8 lettres, couvrant 48 personnes, plus deux lettres supplémentaires. Là aussi, en 50 heures de pratique délibérée, n'importe qui peut réaliser des épreuves de ce type et transformer une suite de personnes habillées en noir ou en blanc en une phrase mnémotechnique. Plus difficiles furent les épreuves réalisées par Lotfi, Jean-Yves et Julie. Lotfi devait mémoriser, en moins de 2 heures, une centaine de visages avec leur nom et date de naissance. Il utilisa abondamment la méthode PAO. 1988, par exemple, liez vos bras à un sextoy. Pourquoi avoir choisi un tel objet? Les choses violentes ou sexuelles sont toujours plus mémorables. Si un chiffre ou un code n'est pas naturellement évocateur, à 13 égale autoroute, mieux vaut lui associer quelque chose de gros, de sanglant, ou simplement d'insolite. Comme le disait le libérez votre cerveau. 48. 26668. Général Patton, quand je veux que mes hommes se souviennent d'un ordre, qu'il soit vraiment mémorable, je le leur donne deux fois plus allemand. On ne peut pas mener une armée sans obscénité, mais cela doit être de l'obscénité éloquente. Si une personne a une mâchoire carrée et que son nom de famille est Tang, l'autre fit réduit Tang à Tank, quelque chose de massif, comme sa mâchoire. Si elle est née le 20 avril 1988, il lui fait piloter un Tank avec du poisson, avril, sauce vin blanc, vin, dans une main, et un sextoy dans l'autre. Cette technique est ancienne, les malentendants et les Indiens donnaient aussi souvent pour nom à quelqu'un l'un de ses traits de caractère ou physique. L'idée, c'est de donner du relief aux choses, pour mieux les agripper, encore une poignée, donc. La démarche est d'autant plus intéressante que Lotfi pratique également le parcours, c'est cette discipline qui consiste à se déplacer le plus rapidement possible en ville, en prenant appui sur tous les objets légalement autorisés. Dans le parcours, le corps se découvre des prises sur des surfaces lisses que la plupart des gens auraient jugées impraticables. La mémorisation procède du même principe. Des éléments semblent lisses et impraticables mentalement à la plupart d'entre nous, mais avec un minimum d'expérience, on peut y trouver des prises efficaces. Le trait d'une photographie, l'orientation d'un nez ou d'un sourcil peuvent donner suffisamment d'appui à notre mental pour qu'il tisse une histoire mémorisable. Ce que la mémoire associative nous rappelle, c'est qu'il est plus facile pour le cerveau de retenir A et B ensemble que A tout seul. Il serait fastidieux de retenir 40 éléments pris séparément sur la Joconde, comme autant de pièces détachées d'un puzzle. Mais se souvenir du tableau comme d'un tout, c'est beaucoup plus facile. De même, il est plus simple de retenir une phrase qui a du sens qu'une succession de mots qui n'en ont pas. Pour cette même raison, les paroles d'une chanson, portées par une structure mémorable, airs de musique se retiennent plus aisément que sans la mélodie. Le cerveau aime unir les choses de poignée. C'est une des bases de la neuroergonomie. Ainsi, Jean-Yves pense à se retenir 50 empreintes digitales, il aurait pu en mémoriser encore davantage, avec le nom, le prénom et la date de naissance de leur porteur. Julie, quant à... Oui, il faut tout changer à notre école. 49. 2668-7-j-cerveau-s6tc.indd 49 2 septembre 2016 14h30. Oui, il faut tout changer à notre école. 51. 2, 6, 51. L'intérêt de cette anecdote, sur le plan neuroergonomique, c'est la rapidité. Il est trop loin à ce coup. À retenir, comme leur numéro de téléphone. Très professionnel, Daisy se mit à placer ses codes dans son palais de la mémoire, avant que la... Il est allé trop loin. 2668-7-j-cerveau-s6tc.indd. Ou par les anachorètes de l'Antiquité, qui retenaient la Torah, la Bible ou le Coran par cœur. Bon, attendez, je vais couper parce qu'il m'a pété un câble le truc. 53 points digital, oui, j'en ai tellement. Elle a retenu 30 et une photographie serrée, cadrant chacune le pelage d'un dalmatien, et a pu ensuite les associer aux chiens en question. Il est intéressant de noter que Julie parle le coréen. Or, pour quelqu'un qui ne maîtrise pas cette langue, les caractères seront difficilement discernables, et plus encore, d'ailleurs, dans le cas du chinois. Eh bien, si un chinois adulte peut retenir plus de 50 000 caractères, qui sont tout aussi difficilement discernables à un européen que les tâches cadrées d'un dalmatien, bien sûr que cette épreuve des 30 et un dalmatien est réalisable, pour peu que l'on perçoive les tâches des dalmatiens comme les signes d'une langue. L'idée, ici, c'est de se créer un pseudo-langage dont chaque tâche serait une lettre, un mot ou un caractère, qui se trouverait mis en relief sur la robe du chien, comme si ce dernier portait un dossard. Bien sûr, pour la grande mémorisation, rien de tel que les « arts » de mémoire, dont l'humaniste Giordano Bruno faisait un usage abondant et efficace. L'une des méthodes sous-jacentes, c'est la spatialisation de contenu, une technique permettant de retenir des livres entiers, et pratiquée aussi bien par les acteurs de théâtre, associés à la mémoire émotionnelle et à la quantillation du texte, que par Cicéron en son époque, quand il apprenait les plaidoiries, ou par les anachorètes de l'Antiquité, qui retenaient la Torah, la Bible ou le Coran par cœur.
Cette méthode dite des « palais de la mémoire » est désormais utilisée par tous les athlètes de la mémorisation et on lui doit sans doute l'expression « en premier lieu ». En deuxième lieu, comment situer les éléments d'un discours dans le palais mental? Puisque la transmission de la mémoire a été orale durant la plus grande partie de l'existence humaine, les anciens devaient avoir acquis certaines connaissances en neuroéconomie de la mémorisation. L'épreuve que réalisa Nelson Daly dans la version française de elle émission a consisté à retenir 10 codes alphanumériques, comme le 24B1551 à 1375 que nous avons vu plus haut. À l'écran, il fit quelques erreurs minimes et facilement explicables. La règle de l'émission voulait que les invités proposent les codes eux-mêmes. Pour la plaisanterie, ils lui donnèrent d'abord des codes trop simples. Un binational, il a aussi concouru aux États-Unis. 50. 266-8-7-7 à retenir, comme leur numéro de téléphone. Très professionnel, Daly se mit à placer ses codes dans son palais de la mémoire, avant que la production ne lui demande légitimement de recommencer l'épreuve sur des codes plus sérieux. Or, quand les nouveaux codes lui furent fournis, il avait gardé en tête son meilleur palais de la mémoire, qui, encombré par les premiers numéros, ne lui permit pas de réaliser l'épreuve au mieux. Le public de la toute première émission française fut surtout impressionné par une épreuve beaucoup plus simple, mais intéressante au demeurant, le carré magique. On donne au concurrent un nombre de trois chiffres, qu'il doit décomposer en autant de sous-nombres que nécessaire pour remplir toutes les lignes et toutes les colonnes d'un échiquier, de sorte que la somme de ces sous-nombres, par colonne et par ligne, donne le nombre initial. Pour corser l'épreuve, il ne peut remplir l'échiquier qu'en suivant. Les mouvements d'un cavalier, placé au hasard. Bien sûr, il tourne. Le dos à l'échiquier, qu'il doit parcourir mentalement. L'exécution de l'épreuve ressemble à la suite d'instructions suivantes. B3, 71, C5, 61, D7, 45. Dans le cas de l'émission, le total à décomposer était de 547. L'épreuve, en vérité, est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Il faut d'abord retenir le parcours bouclé d'un cavalier, c'est-à-dire un parcours qui revient au point de départ. Raphaël, le concurrent heureux de cette épreuve, retint celui qui fut utilisé dans la version allemande de l'émission. Ensuite, il suffit d'apprendre par cœur un échiquier déjà rempli pour un autre nombre, mettons 300, sachant de toute façon que tout nombre supérieur a 7 à son carré magique sans 0. Si le nombre à décomposer durant l'épreuve est 308, il suffira d'ajouter le nombre 1 à chaque case du carré, si c'est 380, on ajoutera 10 à chaque case, et s'il faut ajouter moins que 8, il suffit d'ajouter ce nombre à toutes les cases qui font la diagonale de l'échiquier. Au final, quel que soit le nombre à décomposer durant l'émission, le concurrent devra le ramener, par addition ou soustraction, à l'échiquier qu'il aura appris par cœur 1. Ce que fit Raphaël. Ainsi, mon ami Michael Launay, ceinture noire 9e dan de pédagogie mathématique, fournit sur sa chaîne YouTube Micmath une explication très efficace. Oui, il faut tout changer. 51. L'intérêt de cette anecdote, sur le plan neuroergonomique, c'est la rapidité du concurrent, qui témoigne d'un entraînement type N sigma 1. Si Raphaël excelle à apprendre l'échiquier par cœur, comme il le ferait d'une table de multiplication, puis à l'exécuter rapidement, c'est grâce à une pratique délibérée et assidue, même si apprendre 64 phrases du type B3, 71, n'est après tout pas très éloigné de l'apprentissage d'une table de multiplication en français, qui repose bien davantage sur la musicalité et le par cœur que sur le calcul mental. Son cas illustre avec simplicité la règle selon laquelle la passion réduit le nombre de défauts par milliers d'opportunités, ou par millions, chez les meilleurs, ce que les industriels comme Airbus ou Tesla appellent simplement « excellence ». Si l'épreuve de Raphaël pouvait se réaliser avec une faible probabilité d'échec sur scène en considérant la pression et les impôts. Des rêves émotionnels, des 5 heures d'entraînement sur Micmath. La majorité des gens pourraient donc, selon moi, la réaliser proprement entre 5 et 50 heures. Dans ma première émission, l'excellence fut réellement atteinte par Sylvain, sur une épreuve dont je placerai le curseur d'expertise davantage entre 500 et 5000 heures, pour une probabilité acceptable de réussite sur scène. D'après mes entretiens avec lui, Sylvain, paysagiste passionné, avait en réalité accumulé entre 25 000 et 50 000 heures de pratique assidue dans son domaine 2, le dessin stéréoscopique. Il s'agit de ces dessins un peu séparés, l'un rouge, l'autre bleu, que l'on peut voir en 3D quand on porte les bonnes lunettes. Sylvain fut placé devant deux murs géants de 40 par 40 Rubik's cubes identiques, dont les facettes étaient placées au hasard. On changea un point de couleur sur un seul des 1600 Rubik's cubes, chacun présentant 9 points, soit un total de 14 400 points de couleur, et Sylvain, en quelques minutes, fut capable de dire lequel. Sa méthode consistait à loucher, afin de superposer les deux. Une image avec une précision au pixel près. Le point de disparité lui. Un désigne la capacité à exécuter un service ou un produit avec un nombre de défauts par million d'opportunités. Libérez votre cerveau. 52. 26668. Apparaît. C'est alors comme un relief il lui sautait aux yeux, c'est le moins que l'on puisse dire. En psychologie, la technique de Sylvain est appelée « science volontaire ». Elle désigne la capacité de notre cerveau à mettre des choses en relief. On l'appelle également « effet cocktail party » à un cocktail. Notre cerveau est tout à fait capable de n'écouter qu'une conversation dans la foule parlante, même si cette conversation n'est pas tenue à côté de nous. Déceler un pixel modifié parmi 14 400, cela procède un peu de la même méthode. J'ai eu la chance de donner un jour une conférence avec le champion de ski Edgar Cobiron, qui propose une analyse identique de son expertise. En bon athlète, il effectuait chaque année des centaines d'heures d'entraînement, plus d'1 million de virages dans sa vie, le tout pour quelques minutes de compétition seulement, disons 600 par an, au maximum.
Or, le jour J, il ne devait pas seulement exécuter une bonne descente, il devait savoir l'exécuter avec un nombre de défauts par millier ou par million très faible. Pour cela, il déclare travailler sur l'accélération de son taux d'apprentissage. Mon concurrent a de l'avance technique, mais nous réalisons le même nombre de virages par an. S'il s'améliore tous les 100 virages, moi je m'améliorerai tous les 60 et je le devancerai. C'est ce qui se produisit aux Jeux Olympiques d'Albertville en 1992, où il remporta la médaille d'or du ski de bosse. En résumé, nous pouvons vous être extraordinaires, mais l'excellence, qu'elle soit dans le record ponctuel ou dans la fiabilité absolue que nécessite une compétition, ne peut s'atteindre sans passion. L'amour est encore la manière la plus efficace de reproduire un geste physique ou mental des milliers de fois, acquérir des milliers d'heures de pratique pour une tâche qui semblerait une corvée à n'importe qui d'autre. Je ne connais personne d'excellent qui ne soit pas aussi amoureux du domaine où il excelle. Avec Alan Snyder II, je fais partie de ceux qui pensent que les compétences savantes sont latentes chez chacun d'entre nous. 53. 2. 6, 6, 6, 8, 7, 8, 8. Il y a en chacun de nous un Mozart ou un Nikola Tesla, et l'expérience ne consiste pas tant à acquérir l'excellence de ces génies qu'à la déverrouiller dans nos cerveaux. Même si cela semble contre-intuitif, c'est précisément ce qu'illustre le rarissime syndrome du savant acquis, dans lequel des personnes, à la suite d'une lésion, se découvrent d'époustouflantes compétences mentales et pratiques, comme de jouer d'un instrument sans l'avoir jamais pratiqué, ou de visualiser des intrications de courbes mathématiques avec une facilité déconcertante. Tout se passe comme si notre cerveau était verrouillé de l'intérieur, bridé dans ses capacités extraordinaires, et que nous pouvions le débrider. Là, en effet, nous le sous-employons. Quelques cas du syndrome du savant acquis. Anthony Sicoria, chirurgien orthopédique, fut frappé par la foudre en 1994, dans une cabine téléphonique, et ranimé par une femme, infirmière, qui attendait que la cabine se libère. Après son trauma, il se découvrit une fascination pour le piano, qu'il apprit seul, jusqu'à pouvoir mettre en forme des mélodies qui s'étaient mises à le hanter, dont l'appropriée sonate de l'éclair. Tommy M. C. Hugues, survivant de deux ruptures d'anévrisme, fut pris d'un désir irrépressible d'écrire et de peindre, pratique délibérée auxquelles il se livra autour de 18 heures par jour, tous les jours, des suites de ses accidents vasculaires cérébraux. Orlando Cerrel, blessé à la gauche de la tête durant une partie de baseball, se révéla soudain capable de donner le jour exact de n'importe quelle date du calendrier dans les 100 dernières années, alors que le traumatisme ne lui avait laissé. Pour séquelles apparentes d'un mal de tête de quelques jours. Pour décrire ce prodige, il disait que les réponses apparaissent directement devant lui. Le neurologue Bruce Miller fait mention dans ses travaux de cas similaires, où des patients assez âgés, atteints d'une démence frontotemporale, voient apparaître chez eux des capacités artistiques manifestement. La théorie de Snyder quant au savant acquis est d'une grande limpidité. 1. Miller. B. L. Libérez votre cerveau. 54. 2. 6. Mon hypothèse est que les savants ont un accès privilégié à de l'information de plus bas niveau, moins transformée, avant qu'elle ne soit assemblée dans des concepts holistiques et des étiquettes signifiantes. Du fait d'une faille dans l'inhibition descendante, les savants peuvent accéder à cette information qui existe dans tous les cerveaux, mais se trouve normalement sous la réalisation consciente. Cela suggère pourquoi les capacités des savants pourraient émerger spontanément chez des gens normaux, et pourquoi il serait possible de les induire artificiellement par une stimulation magnétique transcrânienne à basse fréquence. Selon Snyder, on pourrait induire le syndrome du savant, et l'introduction d'une telle neurotechnologie aurait pour conséquence de transformer l'humanité. Il existe deux grandes forces dans le développement de l'intelligence, l'inhibition et la stimulation. Des chercheurs comme Olivier Goudet pensent à raison que se développer, c'est apprendre à inhiber. À la question que boit la vache adulte, notre cerveau doit inhiber la réponse du lait qui est, en lui, associé à vache. Le développement de l'intelligence chez l'enfant semble procéder du même mécanisme. À l'inverse, le phénomène du savant acquis ressemble à une désinhibition. Cela voudrait dire qu'il existe dans notre cerveau un compromis permanent entre inhibition et excitation des populations de neurones. Notre cerveau cherche à faire taire les réseaux qui n'ont pas la bonne réponse et à amplifier ceux qui l'ont, et l'apprentissage consiste à distinguer ces deux types de réseaux. Si nous savons A, l'avance qu'un réseau a tort et qu'un autre a raison, nous pourrons inhiber l'un et amplifier l'autre par stimulation transcrânienne et accélérer ainsi l'apprentissage, voire provoquer le génie. Chaque fois que nous écoutons quelqu'un jouer du piano, il est probable qu'une population de neurones parmi les 86 milliards de notre cerveau sache exactement rejouer ce qu'elle vient d'entendre. La pratique, les milliers d'heures accumulées par un Mozart ne servent peut-être pas à former des neurones au piano, mais à un peu comme le langage ou la capacité de jouer du piano, par exemple. Donner la parole aux bons neurones, parmi toutes les populations possibles. Mathématiquement, il y a 2 à la puissance 86 milliards de populations de neurones possibles dans notre cerveau. Bien sûr, notre boîte crânienne n'a pas un volume suffisant pour brancher toutes les populations possibles entre elles avec des faisceaux de substances blanches. Mais l'on peut rêver, un jour, d'une communication neuronale sans fil. Après tout, la possibilité que le cerveau humain abrite du calcul quantique est sérieusement considérée par certains chercheurs actuels, tandis qu'elle était présentée comme ridicule quand le physicien Roger Penrose l'a défendit à la fin des années 1980. J'ai moi-même rapporté dans un éditorial du point qu'elle était à l'étude par la recherche, ce qui m'a valu d'être étrié par une poignée de scientifiques d'obtus, alors même que les études que je citais avaient été publiées ailleurs. Tout changement révolutionnaire, nous le rappellerons, est perçu en trois étapes dans la société. Ridicule. Dangereux, évident.
S'il y a bien une chose que le cerveau n'aime pas, c'est qu'on vienne déranger sa zone de confort. Dans le cas du savant acquis, il me semble donc que le cortex frontal se met soudainement à laisser parler des neurones à qui il ne donnait pas la parole autrement. Certaines drogues, comme le LSD, peuvent aussi nous donner un accès conscient à ces activités. Dans le cas des hallucinations sous acide, des activités spontanées vers cérébrales sensorielles, normalement tu par le contrôle de notre cortex frontal, ce serait un accès à notre conscience. Si nous savons donner la parole à la bonne population de neurones, entre la substance blanche et le fil conducteur le plus... Libérez votre cerveau. 56. 266. Celle qui est associée à la réalisation d'une tâche en particulier, nous pourrions un jour imprimer des connaissances dans le cerveau, comme avec une imprimante 3D. Donner la parole, c'est ce que peut effectuer la stimulation transcrânienne à courant direct en gros, une pile de 6 volts reliée à un patch de tissu magnétique, qu'évoque Snyder afin de reproduire le syndrome du savant. Pour y parvenir, il faut en effet inhiber l'inhibition et faire place aux bons neurones. De cette manière, nous pourrions apprendre immensément vite et ouvrir la voie à une ère aussi remarquable que le fut celle de l'écriture ou de l'imprimerie. Rajaparasuraman, le père de la neuroergonomie moderne, a démontré qu'il était possible d'accélérer un apprentissage par stimulation transcrânienne à courant direct, un résultat qui a été confirmé et amplifié depuis. Donc oui, se développer, c'est apprendre à inhiber, mais c'est aussi, symétriquement, apprendre à se désinhiber, les deux thèmes. Dans sont en équilibre dans le cerveau, et la perturbation de cet équilibre peut produire aussi bien le génie que la folie. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont parfois si proches l'un de l'autre. Les expériences d'amplification de l'apprentissage. L'augmentation neurocognitive par stimulation électrique du cerveau est une idée relativement ancienne. L'Antiquité écrite a en effet gardé des traces d'utilisation de poissons électriques, que l'on plaçait notamment sur le front des patients épileptiques. Parasuraman a mené de nombreuses expérimentations pour démontrer l'intérêt de la stimulation nerveuse. Quand nous sommes interrompus dans une tâche, par exemple, le temps qu'il nous faut pour nous y remettre peut être réduit par maintien d'une stimulation transcrânienne à courant direct. Oui, il faut tout changer à notre école. 57. 2666. TDCS. 1. Parmi les découvertes de Parasuraman et de ses équipes sur la TDCS se trouve déjà la preuve qu'elle peut améliorer l'attention, la mémorisation à court terme, la consolidation de la mémoire après sommeil 2, l'attention, le multitasking 3, la sensibilité de la perception 4 ou encore l'apprentissage et la vigilance 5. L'idée que l'homme puisse aider son cerveau à trouver les neurones experts parmi la foule des autres neurones n'est donc plus très loin. Le parallèle est frappant avec les techniques d'augmentation non invasives du corps humain. Les exosquelettes permettent déjà aux hommes de soulever des poids très supérieurs aux records olympiques, un peu comme les fourmis transportent des objets plus lourds qu'elles sur de longues distances. Les stimulations transcrâniennes pourraient être au cerveau ce que les exosquelettes sont au corps, une assistance amplifiant le levier de certains neurones. Les conséquences de cette technique sont potentiellement immenses. Sur certaines connaissances, on pourrait amplifier extraordinairement l'apprentissage et la rétention, et construire de véritables autoroutes de la connaissance. Pour résumer une expérience récente dans laquelle des chercheurs sont parvenus à amplifier un apprentissage sur un simulateur de vol, on a parlé de télécharger des connaissances directement dans le cerveau humain. L'expression a fait tiquer certains scientifiques, qui trouvent la découverte surévaluée, mais il leur faut admettre que durant l'expérience, de l'information a bel et bien été transmise au cerveau par une machine, et qu'elle a assisté ce dernier dans son apprentissage. 1. Plumber. J. Forougi. C'est possible ça? Libérez votre cerveau. 58. 2. 6. En 2011, Kazuhisa Shibata et ses collaborateurs de l'université de Boston parviennent à accélérer un apprentissage simple en stimulant le cortex visuel primaire de leur sujet. L'expérience est marquante. Les sujets résolvent un puzzle sur écran, on étudie l'activité de leur cortex visuel par imagerie à résonance magnétique fonctionnelle, IRMF. Ensuite, on utilise l'IRM pour stimuler le cortex de nouveaux sujets qui n'ont jamais vu ce puzzle. Résultat, ces sujets apprennent sensiblement plus vite à le résoudre, du fait de leur stimulation en amont. On a accéléré leur apprentissage. Cette technique s'appelle désormais le decoded neurofeedback, DSNF, et elle est un pas décisif vers l'impression d'une connaissance dans le cerveau. Une société de recherche privée basée à Malibu, HNL Laboratory, a mené il y a peu, en partenariat avec diverses universités américaines et Lockheed Martin, une étude approfondissant les travaux de Parasuraman. Sur l'apprentissage du pilotage 2, le chercheur Matthew Phillips et son équipe ont voulu savoir si la stimulation transcrânienne à courant direct pouvait accélérer l'apprentissage de l'atterrissage sur simulateur. 32 apprentis pilotes droitiers ont été répartis en 3 groupes. Certains ont reçu une stimulation électrique ultra précise dans le cortex dorsolatéral préfrontal, est essentielle à la planification mentale. D'autres l'ont reçu dans le cortex moteur gauche, qui coordonne les activités de la main droite. Les derniers ont été coiffés d'un bonnet électrique mais n'ont reçu aucune stimulation. Les performances des 3 groupes ont été comparées sur une session d'apprentissage de 4 jours et les résultats de Matthew Phillips ont confirmé ceux de Parasuraman. On est donc capable d'accélérer l'apprentissage du pilotage en stimulant le cerveau avec une pile de 6 volts et un matériel peu coûteux, quoique précis, sans danger d'usage par rapport à une IRM. Sans doute. Pourrait-on en faire de même avec l'apprentissage du piano, d'une langue ou des mathématiques? Cela reste à tester. Peut-être
Distratez-il un monde futur où chaque fois qu'un humain aura repoussé les limites connues de l'excellence dans une discipline donnée, aussi bien mentale que physique, il sera possible de transférer toute ou partie de son expérience dans la vie mentale d'autrui. Un chip. Oui, il faut tout changer. 59. De sorte que le vécu des pionniers sera accessible à l'humanité tout entière. Le projet peut paraître effrayant, il nous sidère, pourtant, bien employé, cette technique de répartition de la connaissance ferait entrer l'humanité dans une ère fascinante de fraternité et d'efficacité, pour autant qu'elle lui donne un sens. Chaque homme vivant crée une expérience qui est largement perdue pour ses pairs et les moyens dont nous disposons pour transférer le vécu d'autrui sont encore rudimentaires, l'écriture en fait partie, mais elle n'est plus satisfaisante. Les écritures neuronales seraient un médium bien plus riche, qui permettrait de transmettre directement expérience et émotion. Nous n'avons pas encore bien compris que même entre ennemis, les hommes acquièrent de l'expérience et un vécu qui pourrait bénéficier à tous les humains. Des deux côtés d'une ligne de front, on pourrait faire circuler les points de vue des uns et des autres, et ceux qui l'ont acquis par leurs efforts. Peut-être ne suis-je qu'une nouvelle victime de l'optimisme VA qui a animé des générations de techniciens, qui pronostiquait que l'arbalète ou la radio mettrait fin à la guerre, mais j'aime à penser que le partage de l'expertise et du ressenti pourrait rapprocher les humains. Libérez votre cerveau. 3. On peut encombrer notre cerveau. Voilà comment se déroule l'un de ces tours. On peut encombrer notre... Comment payer quelqu'un avec du papier blanc? Rembrandt est un showman britannique remarquable, expert dans cette discipline que l'on appelle le mentalisme. Le mentalisme repose entièrement sur la neuroergonomie, sur l'expertise du cerveau, au travail, sur ses degrés de liberté, sur ses coins aveugles, sur ses biais. Brahn a une technique intéressante, qui suffit à faire saisir en une fois, et à n'importe qui, les enjeux de la neuroergonomie. Cette technique consiste à payer des commerçants avec du papier blanc sans même qu'ils s'en rendent compte. On peut encombrer notre cerveau. Voilà comment se déroule l'un de ces tours. Brown entre chez un bijoutier new-yorkais et demande à voir une bague en platine certie d'un diamant. Elle est à combien? $5,000. Ok, je vous la prends. Je vais vous payer en cash. Pour le bijoutier, la situation est sous contrôle. Brown est rentré dans son magasin, a été convaincu très facilement, il se dit qu'il l'a dans sa poche, que c'est un esprit faible, ou fragilisé, ou influençable, et que la transaction est terminée. Business as usual, tout marche comme prévu, il ne se méfie pas. Pendant qu'il emballe la bague et prépare le reçu, Brown commence alors à l'embrouiller avec des questions. 61. 266-877-IEG-TIREP. Le métro le plus proche, c'est dans quelle direction? Alors, vous tournez à gauche, ensuite c'est la troisième rue, etc. L'est, c'est par là. Non, l'est, c'est là. D'accord. Or, j'ai dû penser à elle, envers un alors, je n'ai pas compris. C'est la première rue, puis à gauche. Brown encombre l'esprit du bijoutier d'une tâche spatiale, très gourmande en capacité de conscience. Ce n'est pas grave, le bijoutier est chevronné, son cerveau est habitué à impacter une bague tout en faisant la conversation, il agit donc normalement. C'est à ce moment précis, quand son mental conscient est saturé, que Brown envoie sa suggestion. J'étais un peu intimidé par le métro, ici, mais mon ami m'a dit, prends-le, c'est bon. J'étais un peu intimidé mais tout s'est bien passé. Au moment où le bijoutier pourrait tourner sa conscience vers les billets, au moment où son cerveau attend confirmation de son esprit critique pour les encaisser, il entend, prends-le, c'est bon. Contextualiser, c'est cette injonction résonne avec. La tâche en cours, recevoir, manipuler, encaisser une petite liasse. De papier, elle influence le comportement du bijoutier parce que notre conscience ne peut pas faire deux choses en même temps. De même qu'il n'existe aucun virus qui tue absolument tous les humains, il n'existe pas de mental trick qui fonctionne chez chacun d'entre eux. La technique de Brown ne marche donc pas à tous les coups. Lors d'une autre tentative, il échoue dans la rue, en essayant de payer un vendeur de hot-dog avec son papier blanc. La technique du vendeur se présente de cette façon. « Bonjour, dit Brown, pourrais-je avoir un hot-dog, s'il vous plaît ?» Le vendeur lui entend un. « Est-ce que vous savez où est le drugstore le plus proche ?»« Oui, par là. » »« Dans ce coin ?»« Oui, Columbus, Sir Station. » Un vent anglais, une suggestion puissante. « Il est been thinking the wrong way. » »« Lee. 266-877-IEG-BAT. » D'accord, directement là. Vous savez, j'ai un mal de tête horrible, est-ce que vous savez ce qui est bon pour vous? Imitant le papier blanc, ce que vous prenez pour vous sentir bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Brown essaie alors d'embrouiller le vendeur. Vous savez que mon père a 54 ans? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, vous pouvez garder la monnaie. Non, ça, c'est quoi? C'est blanc. Pardonnez-moi. Le vendeur se met à rire, Brown lui tend de l'argent. Tenez, j'ai cru que vous alliez vraiment l'accepter. Connard. Merci, mon ami, au revoir. Plusieurs raisons semblent expliquer l'échec de Brown et on pourrait les tester de manière expérimentale. Sa technique est... Connard, moi oui, en même temps. L'autre, il donne pas de sous, donc forcément. Ah, putain. Sa technique est moins...
Voyez, la tâche de navigation spatiale est moins compliquée que celle qu'il donne au bijoutier. Il aurait pu chercher un autre store plus difficile d'accès. Bram ne reprend pas la suggestion utilisée pour le bijoutier. Ah, j'ai pensé à Anvers, même si la vente est maigre, quelques dollars. Le vendeur de hot dogs se méfie davantage. Il est dans la rue, un milieu plus hostile, où une plus grande vigilance est de mise. Contrairement au bijoutier, il ne s'imagine pas qu'il a mis Bram dans sa poche. La phrase de persuasion de Brown est moins percutante et moins insistante. Prends-le, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Semble plus efficace qu'un simple « Est-ce que vous savez ce qui est bon pour vous ?» De même, « J'ai un mal de tête horrible » est moins efficace que « J'ai dû penser à l'envers ». Brown a une autre technique qui fonctionne, d'après lui, deux fois sur trois deux. Elle consiste à entrer en contact avec quelqu'un et... En anglais, la formule est encore plus percutante. « You know what is good for you ?» 63. À lui. Prendre son portefeuille, en pleine rue, en le laissant le sortir lui-même de sa poche. Il s'approche d'un homme sur un pont, lui porte lentement la main à l'épaule, regarde vers le sol et dit « Excusez-moi. Excusez-moi. Vous ne sauriez pas où est Pleasure Beach, si. Pleasure Beach. » L'homme tend la main pour indiquer une direction. « Est-ce que c'est là-bas, Pleasure Beach ?» redemande Brown. « Non, c'est après ça. Vous continuez le long de la rue, là, et après l'angle. Excellent. Vous ne m'en voulez pas de vous demander hein ?» Il rit. « Non, non, pas du tout. » L'homme sourit. « Excellent, excellent. » répond Bran en parlant dans sa barbe. « Et vous n'auriez pas l'heure, si ?»« Ah non. Puis-je vous la donner ?» Il lui donne une bouteille d'eau qu'il tient à la main. « Puis-je juste prendre votre portefeuille ?» L'homme avance la main pour prendre la bouteille, puis sort son portefeuille de sa poche et le donne à Bran. « C'est bon, je vais vous la reprendre, » ajoute Bran. Prenant la bouteille, il garde le portefeuille. Puis, alors que l'homme se demande ce qui s'est passé, il dit en dévissant la bouteille, « Il fait chaud, hein ?» Alors donc, c'est tout droit par là, en bas de la rue, hein ? Oui, c'est bien ça. L'homme a l'air de se demander s'il n'a pas oublié quelque chose. Parfait, merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Là encore, la technique consiste à saturer ce que les neuroscientifiques appellent, elle, espace de travail global, de notre conscience, ce tableau d'affichage central, de notre cerveau, pour le forcer à réaliser d'autres tâches sans esprit critique, machinalement, comme donner son portefeuille. Comment Bran s'y prend-il pour saturer la conscience de son sujet ? Comme dans la technique du papier blanc, il le lance sur une tâche spatiale, puis le distrait. Mais ici, il libérez votre cerveau. Ah ouais, donc tu peux vraiment manipuler les gens, en fait. Il suffit de leur inculquer des choses à faire, entre guillemets, pour qu'ils aient plus de mémoire, en gros. Un peu comme à l'idée de la RAM, quoi. La RAM, une fois qu'elle a saturé, bah, ça ne veut plus traiter d'informations. Là, c'est la même chose. Cerveau. 64. 2, 6, 6, 6, 8, 7, 10, j'y dirais bas, cerveau, dirais bas. Éteint. Sa méfiance en lui donnant une bouteille d'eau, et exactement en même temps, lui demande le portefeuille. Puis-je vous la donner ? Et suivi aussitôt de prendre votre portefeuille, c'est ce timing, impeccable, cette connaissance parfaite des temps de réaction, qui font de Brown un excellent mentaliste. Ils lui permettent de crocheter l'esprit critique de son sujet, exactement comme le matériel adéquat, en agissant sur la faiblesse du dispositif, permet de crocheter la serrure. Donner la bouteille en disant « puis-je vous la donner ?» et spécialement quand l'homme la regarde pendant qu'il la prend, confirme à Brown que son esprit critique a validé l'action. Brown vient de se créer un petit instant durant lequel son sujet n'aura pas d'esprit critique, entérograde, c'est-à-dire sur l'action immédiate, et là, il lui demande « puis-je juste prendre votre portefeuille ?» Ce que l'homme fait, mais sur ce point, il demeure une possibilité. Esprit critique, rétrograde, c'est-à-dire a posteriori, que Brown endort en reprenant la bouteille et en distrayant son sujet, il fait chaud, hein. L'homme s'en va, mais il ne tarde pas à revenir vers Brown, car son esprit critique a comme une dette d'analyse, et il lui faut peu de temps pour se rendre compte que quelque chose cloche. Dans un autre cas, exécuté plus rapidement et plus précisément, Brown parvient à prendre la montre, le téléphone et les clés de son sujet. Là encore, il faut peu de temps au sujet pour s'apercevoir que quelque chose ne va pas. Est-il naïf ou idiot pour autant ? Pas du tout. Il a simplement fait confiance à son interlocuteur, il ne l'a pas considéré comme menaçant. Pour que la technique fonctionne, il vaut mieux, cependant, choisir une rue encombrée, avec du bruit et de l'agitation, proposer au sujet une tâche spatiale relativement compliquée et lui mettre un objet dans la main. Encombrer votre main, encombrer votre cerveau, voilà ce que fait. Bran. À la main, il donne une bouteille d'eau, au cerveau, il donne une tâche spatiale. Plus vous imaginerez votre cerveau comme une main, plus vous connaîtrez ses empans. Vous saurez les actions qu'il peut ou ne peut pas réaliser en même temps, ses degrés de liberté et ses angles morts. Vous comprendrez que l'on peut mettre au point une clé de cerveau, comme on peut réaliser une clé de bras. Comment payer quelqu'un avec du papier blanc ? 65. 2, 6, 6, 6, 8, 7, 10. Vous aviez les deux bras encombrés, vous ne laisseriez pas une personne, dans la rue, vous mettre une bouteille d'eau dans les mains. Vous ne vous attendriez même pas à ce qu'elle essaie, parce que vous voyez votre propre encombrement et qu'elle le voit elle aussi.
L'encombrement du cerveau, lui, est invisible. L'idée que notre cerveau n'est pas conscient de son fonctionnement, l'idée que l'activité du cerveau n'est pas autodescriptive, peut s'écrire comme l'inclusion mathématique, métacognition-cognition, qui se lit, la métacognition est strictement incluse dans la cognition. La métacognition, c'est la cognition de la cognition, c'est la conscience de la conscience, par exemple, et elle est incluse dans la cognition, sinon, où se trouverait-elle? Toute conscience de soi reste une conscience, par exemple. La métacognition est en nécessairement plus petite que la cognition, il nous reste un excellent moyen de surmonter nos limites individuelles, autrui, les autres. Nous voient sous des angles que nous ne comprenons pas, de sorte qu'ils peuvent nous informer sur notre comportement, dans un processus de métacognition qui serait susceptible, in fine, de dépasser notre propre connaissance. En gros, si on remplace le terme de « métacognition » par la formule « connais-toi toi-même », on prend la mesure du potentiel humaniste de la neuroergonomie. Pour l'heure, nous ne réalisons pas à quel point notre cognition est encombrée de comportements stéréotypés, d'assomptions, de conditionnements, ou simplement de pensées parasites. Quiconque comprend encombrement cognitif comprend la neuroergonomie. Notre cerveau est saturable. Parmi les techniques de Derenbrand, il en est une qui permet d'illustrer les notions d'activité spontanée et évoquée. Notre cerveau, comme notre cœur, ne s'arrête qu'à notre mort. Son régime de fonctionnement et sa consommation d'énergie changent selon la tâche, mais tant que nous vivons, que nous soyons en sommeil ou en éveil, il est actif. Notre activité cérébrale est essentiellement spontanée. Pendant plusieurs siècles, notamment sous l'influence du mouvement philosophique empiriste, on a cru que le fonctionnement libérez votre cerveau. 66. 26668, c'est du système nerveux reposait essentiellement sur l'activité évoquée, donc sur ses entrées. C'est le cas d'un robot aujourd'hui. Le défaut d'activité spontanée est l'une des raisons pour lesquelles les robots actuels n'atteignent pas l'ombre de vos performances, notamment en termes d'apprentissage, d'adaptabilité et de reconnaissance de forme. 9 des 10 connexions qui relient la rétine et le cerveau à un sont des connexions descendantes, c'est-à-dire qu'elles vont du cerveau à la rétine et non inverse. Il y a peu, dans une caméra portée par un robot, une telle proportion n'était guère respectée. Bien sûr, notre système nerveux n'utilise quasiment jamais une connexion d'une seule façon. On peut trouver, par exemple, une propagation entérograde de signal le long d'un axone censé être la sortie d'un neurone, et non son entrée. Pour autant, le fait que 9 des 10 connexions entre le cerveau et la rétine portent de l'information du cerveau vers elle nous prouve que l'activité intrinsèque de notre esprit est essentielle à la perception du monde extérieur. L'activité spontanée du système nerveux est, première, elle commence chez le fœtus et joue un rôle déterminant dans le développement du cerveau sain et utéro. L'activité spontanée peut aussi empêcher un signal d'accéder à notre conscience, et c'est ce phénomène qui contribue à la saturabilité de nos émotions. Réaction, mémoire, attention, il n'y a rien dans notre cerveau qui ne soit saturable, nous l'oublions trop souvent. Prenons un système électrique. Pour lui éviter de brûler, on y installe des fusibles qui sautent en cas de surcharge. Notre cerveau fonctionne de la même manière, car il est construit sur la saturabilité. Ses réactions ne sont pas linéaires avec la stimulation, mais souvent logarithmiques, ou plus simplement asymptotiques d'eux. Exemple de réaction logarithmique à la stimulation, la psychoacoustique, c'est-à-dire la façon dont nous percevons les sons. On mesure l'intensité d'un son en décibels, et c'est une échelle logarithmique, parce qu'un son de 100 décibels est 10 fois plus puissant qu'un son de 90 décibels, mais notre cerveau, lui, ne le perçoit pas comme tel. Ainsi, le tractus, nerf, optique ainsi que la rétine appartiennent au cerveau. Deux, elles s'arrêtent à une valeur seuil qu'elles ne dépasseront jamais. Comment payer quelqu'un avec du papier blanc? 67. 26668-7ILJ-CERVEAU-CS6PC.INDD 67 2 septembre 2016 14h 38 minutes 58 secondes. Il en va de même pour les concentrations de sucre, par exemple, ou de proton 1 dans la nourriture que nous consommons. Une eau à pH 7 est 10 fois moins concentrée en proton qu'une eau à pH 6, et même s'il est facile d'affûter sa langue pour le ressentir, la plupart des gens ne font pas la différence. Un thé 10 fois dilué apparaîtra bien 10 fois plus clair dans une tasse transparente. En revanche, un jus de citron, pH 2,2, ne nous semblera pas plus acide que du vinaigre, pH 2,8, qui y laisse pourtant 6 fois moins. Si l'on examine notre sens du goût, il décrit bien à quel point notre système nerveux est adapté aux usages de la nature et à la survie, et à quel point certains principes de son organisation sensorielle se retrouvent dans l'organisation de notre vie mentale. Que ce soit du point de vue de la mémorisation ou de la perception, notre cerveau souligne bien plus les signaux négatifs que les signaux positifs. Il met davantage en évidence la punition que la récompense, parce que, dans la nature, la punition est risque de mort tandis que la récompense est chance de repas. Les deux situations ne jouent pas de la même manière sur notre survie, comme en témoigne le dicton suivant. Pourquoi le lapin court-il plus vite que le renard? Parce que le renard court pour un dîner, et le lapin pour sa vie. Tout de même, si le renard échoue un certain nombre de fois, il finit par mourir. Mais la probabilité observée qu'un renard attrape une proie dans la nature reste en faveur de la proie. C'est le lave-dîner principe. Ce même principe se manifeste dans notre sens du goût. Ainsi, nous relevons peu le goût sucré, alors que nous sommes extrêmement sensibles et même le plus sensible au goût amer, que nous relevons à de très faibles concentrations. Pourquoi? Parce que l'amertume est associée aux molécules qui ont un effet sur notre système nerveux, comme la caféine, un poison pour les mâmes. Mammifères dans l'évolution, ou comme la conine, un des principes actif de la grande ciguë.
Nous allons le voir, la façon dont notre cerveau met en valeur les signaux olfogustatifs de mort imminente est comparable à celle dont il traite les nouvelles impliquant un risque de mort, de sorte que nous faisons preuve d'une véritable un ion hydrogène, responsable de l'acidité. 68. 26668 Sidération envers les émotions fortes, en particulier de violence et de peur. Cette sidération peut être addictive. Notre système nerveux a plusieurs manières de nous mettre en garde contre ce qui peut nous tuer. Soit il nous dote d'un nombre supérieur de récepteurs par centimètre carré de langue, ou bien de récepteurs plus puissants, soit il module notre activité mentale spontanée pour souligner le signal ce phénomène relevant de ce qu'on appelle, en langage commun, l'attention et la vigilance. Mais revenons-en à la saturabilité du cerveau, qui illustre parfaitement le fonctionnement de notre rétine. On pourrait s'imaginer que cette dernière envoie au cerveau un signal proportionnel à l'intensité de la lumière qu'elle reçoit. Or, c'est l'inverse qui se produit. À l'obscurité, le signal envoyé par la rétine est maximal, et en situation d'éblouissement, il tombe à zéro. Pourquoi ce choix évolutif? C'est que l'obscurité est limitée, alors que l'éblouissement ne laisse pas. C'est donc un moyen pour notre système rétinien de fixer son maximum de réponse dans un environnement dont il ne connaît pas, à l'avance, le maximum de stimulation. Physiquement certes, notre rétine brûle si nous l'exposons au soleil direct, mais en termes de son intensité lumineuse, son signal est éteint par la lumière. Élargie à la psychologie des foules et à la géopolitique, la comparaison entre réponses limitées et illimitées éclaire d'une lumière nouvelle la doctrine du « choc et de l'effroi », « choc NAWE », mise en application par les États-Unis durant leur tristement célèbre invasion et occupation de l'Irak. Publiée par Wade et Ullman en 1996, et développée à la National Defense University des États-Unis, cette doctrine est encore une preuve que l'on peut être brillant et inhumain, et nous montre qu'il faut adjoindre la sagesse à nos sciences, sous peine de perdre notre humanité. Choqué et impressionné, c'est infligé à l'ennemi une manifestation-ci. Brutale, si massive, si rapide de ses capacités de destruction qu'il devrait, en théorie, perdre toute volonté de se battre. Cette doctrine, également appelée full spectrum dominance, dominance sur tous les fronts, reflète l'état d'esprit post-guerre froide d'une certaine frange de l'establishment de défense américain, et si elle est un mirage stratégique absolu, elle est un excellent diagnostic. 69. 26668 Son ivresse ambiante. Les nations, comme les humains, ont une vie mentale, une psychologie et des maladies de l'âme. J'ai pour ma part retourné le problème et, en me basant sur mes études en neurosciences cognitives, je me suis forgé une doctrine stratégique totalement opposée. J'ai supposé que la démonstration massive des armes de « construction », dans une logique d'espoir et de « faire ensemble », était bien plus à même de produire un résultat stratégique fort que le choc NAWE. Cette doctrine géopolitique s'inscrit dans un cadre plus vaste, selon lequel les armes de « construction massive » sont plus puissantes que les armes de destruction massive, moins chères, plus efficaces sur le court et le long terme, et, de surcroît, plus demandées dans le monde. Un peuple choqué par la destruction est acculé au désespoir, et le désespoir est dangereux, ce n'est pas pour rien que l'on appelait autrefois les bandits desesperados. L'espoir, lui, n'a pas de limite. Soumettre un peuple et sa vie mentale par la peur, c'est une démarche qui n'a qu'une seule limite, le mur du suicide. Or, il est évident que la guerre débutée en Irak en 2003 a créé un énorme réservoir de désespérés que l'on voit se manifester aujourd'hui. Mais revenons aux activités du cerveau et analysons une autre technique de Derren Brown, celle où il conditionne un sujet à se sentir ivre alors que ce dernier n'a rien bu. La plupart des symptômes de l'ivresse tiennent à une inhibition du cortex préfrontal qui, lui-même, inhibe certains de nos comportements instinctifs. Pour faire simple, si le cortex préfrontal est inhibé, nous sommes désinhibés tous les symptômes de l'ivresse. Puisqu'elle augmente la confiance en soi et réduit la part du doute dans la planification d'une tâche, la désinhibition peut augmenter les performances et stimuler la créativité dans certaines tâches, comme la résolution de problèmes ou l'écriture, mais pas dans la conduite. Vraisemblablement un. Dès 1987, des chercheurs ont observé une. Ainsi, dans l'article suivant, les auteurs observent une baisse de performance dans les capacités attentionnelles sur du viveur modéré de 0,15 g par litre. Cependant, 10 n'est pas un chiffre très significatif et il ne prend pas en compte les conducteurs professionnels. La possibilité d'une légère désinhibition augmente les performances en ôtant les doutes et les hésitations au sujet reste intéressante. Voir Moskowitz, H. Libérez votre cerveau. 70. 26668. De la performance après administration d'une petite dose d'alcool pur sur une tâche motrice exigeant vitesse et précision. Les deux doses testées étaient de 0,33 ml puis 1 ml en équivalent d'alcool pur par kilo, soit environ une pinte et trois pintes de bière à 6% pour une personne de 90 kg. La première dose, une pinte, augmentait sensiblement la précision, mais pas la vitesse. La deuxième, trois pintes, réduisait la vitesse sur une tâche et la précision sur une autre. La conclusion de tout cela, c'est que si l'inhibition réduit les performances, une substance propre à inhiber cette inhibition et administrée dans un dosage précis peut les améliorer à nouveau. Cette vieille pratique qui consiste à lutter contre le trac par une petite dose d'alcool se trouve validée expérimentalement. La désinhibition chimique permet d'augmenter nos performances justement parce qu'elle joue un rôle sur notre tendance à douter de ces dernières. Or, comme notre cerveau en sait beaucoup moins sur lui-même que ce qu'il peut réellement faire, métacognition-cognition, notre tendance au doute n'est pas toujours en phase avec nos performances possibles.
Nous avons en nous des performances captives, aussi bien sur le plan cognitif que sur le plan physique, et nous pouvons les libérer à certaines conditions, par exemple sous adrénaline. Mais ne perdons pas de vue que si la nature ne les a pas sélectionnés, c'est qu'elle a eu des raisons de ne pas le faire, raison qui nous dépasse et face auxquelles il nous faut rester humbles. Quoi qu'il en soit, l'existence de ces performances captives vient confirmer que nous pouvons libérer notre cerveau de ses automatismes et de ses peurs. Ce que nous savons est plus grand que ce que nous pensons savoir, et ce que nous savons faire est plus grand que ce que nous pensons savoir faire. Par ailleurs, notre cerveau a tendance à se conformer à ce qu'il croit de lui-même, et de fait, lorsque nous nous persuadons que nous sommes incapables de réaliser une tâche, nous avons beaucoup plus de chances d'y échouer. C'est un cas typique de prophétie autoréalisatrice. 1. Mais alors, comment 71. 266678. Nos performances pourraient-elles être améliorées sous hypnose? Sans doute, car l'hypnose relève en partie d'une inhibition du cortex préfrontal, qui alimente notre esprit critique, nos doutes. L'expérience de Deren Brown sur le sujet faussement ivre est fascinante parce qu'elle montre que l'activité spontanée du cerveau peut éclipser son activité évoquée. Pour enivrer son sujet par suggestion, Brown lui demande de se souvenir exactement de l'effet que produit l'ingestion d'une bière. La précision est essentielle, car il s'agit de convoquer une myriade de souvenirs associés à l'ivresse, de sorte que le cerveau se souvienne mieux de cet état, et d'une façon plus convaincante. Un des ressorts de l'hypnose, c'est aussi de mettre le sujet dans un état confortable, plus confortable que celui de sa vie mentale quotidienne. Plus le sujet ressentira le différentiel de confort, plus il sera réactif à l'hypnose, parce que l'hypnose désinhibe, détend, efface le doute et l'anxiété, et nous plonge dans un état que nous ne voulons pas fuir. Comme Don Corleone, l'hypnose fait à notre vie mentale une offre qu'elle ne peut pas refuser, et c'est ce qui la rend si théâtrale sur scène. Elle nous donne l'impression que le sujet est hypnotisé contre son gré, alors qu'il a envie de l'être et que cette envie l'étonne lui-même, surtout s'il n'a jamais été hypnotisé auparavant. Deren Brown demande à son sujet de décrire la sensation que procure l'ingestion d'une gorgée de bière, la chaleur, le goût, etc. Il lui demande de ressentir précisément l'effet que produit la bière sur sa bouche, sa gorge, puis sa tête, et ce d'une façon répétée, comme s'il buvait plusieurs pintes d'affilée. Quand l'activité spontanée est suffisamment solide, elle évoque des souvenirs associés, comme les effets physiologiques de l'ébriété, et cette évocation est d'autant plus efficace que le sujet veut se sentir ivre, car l'ivresse est une sensation agréable, un choix que son cerveau n'a pas envie de refuser. Quand nous nous souvenons d'une sensation, notre cerveau la reproduit quasiment de la même façon que lorsqu'elle est évoquée par le monde extérieur. Ce cas de neuroergonomie a suggéré aux philosophes l'idée que nous sommes, dans une certaine mesure, les cerveaux dans une cuve, puisque tout ce que nous ressentons relève d'une activité cérébrale, et qu'une activité cérébrale spontanée est capable de nous faire croire qu'elle est produite par un. Libérez votre cerveau. Cessez d'inattention et cessez au changement. Le cerveau a des degrés de liberté et des mouvements impossibles. L'évolution, qui est un excellent designer, puisqu'elle produit des systèmes incroyablement adaptés, cache les imperfections de ces productions aussi bien à elles-mêmes qu'à leur proie ou leur prédateur. Il existe, par exemple, une imperfection intrinsèque à notre système optique. On l'appelle la tache de Marriott, c'est le point aveugle de notre rétine, dépourvu de photorécepteurs, qui correspond à l'endroit où s'insère le tract optique. Ce point aveugle n'apparaît pas dans notre champ visuel et nous ne relevons pas une tache noire en plein milieu de notre vision. Pourtant, il est bien réel. De même que notre cerveau peut nous faire douter de nos capacités, il peut nous dissimuler ce que nous ne savons pas, ce que nous n'avons pas vu, etc. On peut donc le prendre en défaut le « hacker », comme on dirait en informatique, et c'est notamment ce que fait l'hypnose, en « hackerant les droits d'administrateur sur notre cerveau, en court-circuitant notre esprit critique ». Le cerveau n'est pas un ordinateur, mais s'il fallait le comparer à une machine, on serait impressionné par sa rapidité de démarrage. Elle tient au fait que, contrairement à une machine, il est constamment en mouvement. De même que le vélo a un moment angulaire qui contribue un peu à le maintenir droit lorsqu'il est en mouvement, le cerveau a un « moment cognitif ». Son activité en cours peut le rendre plus sensible à un stimulus extérieur, c'est le phénomène de vigilance, ou à une connaissance entrante, c'est le phénomène de résonance cognitive, qui survient lorsque ce que nous venons d'apprendre s'insère parfaitement dans nos schémas de pensée. À l'inverse, lorsque ce que nous venons d'apprendre. Comment payer quelqu'un avec du papier blanc entre en conflit avec nos schémas de pensée, se produit la dissonance cognitive, qui peut nuire à notre apprentissage, et enfin, dans le cas d'un stimulus sensoriel, la cécité d'inattention, inattentionnabilité. Je n'ai pas de meilleur exemple de la cécité d'inattention que ces vidéos YouTube qui ont déjà fait le tour du monde. Deux équipes de basketteurs, l'une en gris, l'autre en blanc, se font des passes. Le spectateur est invité à compter le nombre de passes que se fait l'équipe blanche. À la fin de la vidéo, on lui donne le nombre exact et on lui demande s'il a remarqué quelque chose d'étrange. Dans l'une des vidéos, c'est un homme déguisé en gorille qui passe dans le champ en se frappant le torse. Dans une autre, il est déguisé en ours brun et traverse le champ en moonwalk. La majorité des sujets ne remarquent pas consciemment le gorille ou l'ours brun parce qu'ils sont trop absorbés par le décompte des passes. On peut prouver que leur cerveau a bien vu quelque chose, mais la tâche en cours bloque l'accès de cette information à leur conscience, qui est un espace limité et qui a besoin de concentration pour réaliser une tâche. Henry Bergson avait raison, l'œil ne voit que ce que l'esprit est préparé à comprendre.
Des chercheurs comme Stanislas Dehaene et Jean-Pierre Changeux ont conçu, sur plus de 20 ans, un modèle informatique qui rend compte de ce mécanisme et grâce auquel ils ont obtenu des prédictions assez précises sur son timing et sa réplicabilité. L'activité mentale en cours peut contrôler l'accès à la conscience. Ce phénomène est connu des infirmières expérimentées. Si vous devez pratiquer un examen douloureux sur un patient, de la prise de sang à la ponction lombaire, vous pouvez détourner son attention en lui posant une question de culture générale. Quelle est la capitale de la Mongolie? Combien font 13 X11? Citez-moi deux vins piémontais. Le sujet va chercher la réponse, et ça. Conscience sera insensible à la douleur pendant une demi-seconde. Environ. L'information de cette douleur aura bien été relevée, notamment par les nocicepteurs de la peau, mais elle n'aura pas accès à la conscience, dont l'attention limitée a été accaparée par la tâche cognitive. La conscience semble être un véritable espace de travail, capable d'afficher une seule chose à la fois. Un grand nombre d'objets de la vie mentale, Noem, comme les. Libérez votre cerveau. Septembre 4. Appelez Edmund Husserl, se battre pour y accéder, dans un bouillonnement incessant. Et la dynamique de ce combat, c'est. Winner Tak Paul, seul le Noem gagnant semble avoir accès à notre conscience. Je m'étais là. Conscience. Or l'objet. J'ai gagnant peut avoir été aidé par notre attention ou par une stimulation du monde extérieur. En principe, si notre cerveau voulait se fermer entièrement à la stimulation extérieure, il le pourrait. C'est d'ailleurs ce qu'il réalise sous anesthésie. Mais il n'est pas du tout impossible d'atteindre les mêmes performances sous hypnose ou par une pratique assidue de la méditation. Du point de vue neuroscientifique, cette dernière n'est rien d'autre que le contrôle de notre vie mentale spontanée. Quiconque a essayé d'observer son propre cerveau en fonctionnement, ne serait-ce que par l'introspection, a déjà fait de la neuroergonomie. Les philosophes antiques, les chamans, les moines bouddhistes, les soufis et tant d'autres ont observé les prix au travail. Une métaphore revient souvent dans leurs écrits, l'esprit est comme une eau qui peut être agitée ou calme. Cette métaphore, si simple et si belle, permet de comprendre les notions d'activité spontanée et évoquée. Imaginons l'esprit comme la mer et le message comme une onde. Sur une mer démontée, l'onde ne laissera aucune trace. Sur une mer parfaitement calme, elle sera parfaitement transmise. Autre idée, très présente dans le soufisme, l'illusion répandue d'un esprit unifié dans l'enchaînement de ses noèmes, d'un courant de conscience, alors qu'il est le résultat de forces contraires en compétition pour l'accès à la conscience. Si l'introspection est irremplaçable pour faire avancer la connaissance de l'esprit, notre vie mentale n'est pas naturellement consciente, elle est même majoritairement inconsciente, car la conscience est très coûteuse en énergie pour le fonctionnement cérébral. La majorité de nos actions et de nos décisions doit être inconsciente, automatique, et dépenser un minimum d'activité neuronale. Cela s'observe en imagerie, dans la conduite d'une voie. Sur la réponse neurovasculaire soit la consommation d'oxygène. Impliquée par la tâche est plus grande chez le conducteur amateur que chez le conducteur chevronné. À tâche égale, le cerveau de l'amateur consomme plus d'énergie que le cerveau de l'expert. Si notre vie mentale nous était totalement consciente, il n'y aurait. Comment payer quelqu'un avec du 75? Pas de neuroscientifique car chacun saurait expliquer comment fonctionne son cerveau. Je n'ai pas dit qu'une telle prouesse était impossible, mais dans l'état très limité de nos sciences expérimentales, elle relève de la croyance. Sachant que le cerveau d'un expert réalise la tâche sans même y penser, il n'est pas surprenant que dans le tour de Derren Brown, le bijoutier chevronné se laisse payer par des billets blancs alors que le vendeur de hot dog, qui a moins d'heures de pratique que lui, ne s'y laisse pas prendre. Les maîtresses arts martiaux savent que la marque de l'expert, c'est sa capacité à réaliser des mouvements sans y prêter attention, et à s'ajuster à la posture adaptée sans y réfléchir. Quelle que soit la discipline, sport, danse, ce que le maître possède en plus, c'est la capacité à verbaliser ce qu'il fait. Les mouvements du corps et de l'esprit, dans leur immense majorité, ne sont pas naturellement accessibles à notre langage. On sait faire un nœud de cravate, monter à vélo ou nager, mais on ne sait pas forcément l'écrire à quelqu'un. D'autres exemples illustrent la manière dont le cerveau nous cache son manque de conscience. La cécité au changement, par exemple, est très proche de la cécité d'inattention. Elle aussi a été mise en vidéo d'après des pilotes réalisés par le psychologue Dan Simmons, à Harvard, et est devenue depuis une source de plaisanterie à faire en public. Le dispositif est le suivant. Un étudiant se tient derrière un comptoir, vers lequel est dirigé le sujet de l'expérience. L'étudiant du comptoir l'invite à remplir un formulaire, puis, prétextant avoir fait tomber son stylo, se cache derrière le comptoir et laisse un autre étudiant prendre sa place. Tant que les deux étudiants derrière le comptoir ont plus ou moins la même silhouette et la même odeur, un bon tiers des sujets de l'expérience ne remarque pas consciemment la substitution. Dans un autre dispositif, un étudiant demande à un sujet abordé dans la rue de le prendre en photo dans une certaine pose, mais entre-temps, deux autres personnes passent entre lui et le photographe, en transportant un grand panneau de bois. Caché par le panneau en mouvement, le premier poseur s'en va et il est remplacé par une autre personne, dans la même pose. Une fois de plus, en un tiers des cas, la personne qui tient l'appareil photo, trop concentrée sur le cadrage et la mise au point, ne remarque. Libérez votre cerveau. 76. 2 6 6 6 8 7 i j tiré bas cerveau tiré bas.
pas que son modèle a changé, pourtant qu'il ait la même apparence générale. Notre cognition est partielle, on le constate également quand on observe un panorama ou une œuvre d'art. À notre empan visuel, déjà limité par l'angle de notre vision, puis par notre fovéa, plus réduite que ce que notre champ visuel nous laisse croire, il faut ajouter notre empan mental. Comme nous le verrons dans la partie suivante, si vous contemplez Rome, vous ne pouvez pas visualiser chaque intérieur de chaque bâtiment. De même pour une œuvre d'art ou pour une personne, toute œuvre, toute personne forme un objet trop vaste pour être chargé entièrement dans la conscience. Retenons pour le moment que le cerveau, comme la main, a des articulations, des effets de levier et des angles interdits. De même que tous les gestes et mouvements réalisés par notre main sont infiniment plus restreints que tous les gestes et mouvements. Possible, tous les gestes et mouvements cérébraux réalisés dans notre vie ne sont rien par rapport à tous ceux que nous pourrions réaliser. En cela seulement, il est vrai, nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. En fait, la consommation énergétique d'un ordinateur qui simulerait le fonctionnement cérébral, et encore, à un niveau de détail très faible, serait très supérieur à la consommation effective du cerveau qui demeure cependant la plus élevée de notre corps par gramme, 2% de notre masse et 20% de notre consommation énergétique. Comme le dit Stephen Smith, neuroscientifique à Stanford, il y a au moins 125 000 milliards de synapses dans le seul cortex cérébral, c'est à peu près le nombre d'étoiles dans 1500 voies lactées. Nous avons déjà du mal à simuler le reploiement des protéines, alors le fonctionnement total et parfait d'une synapse nous échappe encore, sur ordinateur, mais même en assimilant la synapse à un transistor, 25 trillions de transistors seraient équivalent à un super. Calculateur du type Titan de Cray, 177 000 milliards de transistors, opérationnel en 2012. Or, une synapse est encore très supérieure à un transistor, mais la consommation énergétique de Titan est très largement supérieure à celle de notre cerveau. Quant à la valeur économique de la seule initiative humaine. Comment payer quelqu'un avec du papier? 77. 266. Vrai. Même project, EPFL, Edelberg, une université de Lausanne, etc., une première tentative de simuler un peu le cerveau, elle sera d'au moins 1,2 milliard d'euros pour plus de 7150 hommes par an. On comprend que notre cerveau, cette grosse méduse de 1,2 kg, comme le dit Bruno Dubois, gagne beaucoup à être connu. Libérez votre cerveau. 266687-2. Connaître votre cerveau. 2-666-8-7-ILJ-BAS-CERVEAU-BAS-ESSTC-INDDC-2-666-8-7-ILJ-BAS-CERVEAU-1. Qui est votre cerveau? À l'esprit immortel de l'homme mortel. On entend le zélote s'époumoner dont l'esprit ne veut dire que la somme de ses pensées, essence d'un « je » atomique. La pensée est le travail du cerveau et des nerfs, pauvre et mauvaise chez l'idiot bas de plafond, malade dans la maladie, endormie dans le sommeil, et morte quand tombe le rideau de la mort. Silence, dit le Zaïd 1, nous avons bien renseignement de l'école aborée qui fait de l'homme un automate, de l'esprit une sécrétion, de l'âme un mot. De molécules et de protoplasmes, vous, les matérialistes, pourront à débattre de ce développement en point de gelée, et des singes qui sont devenus hommes. Sir Richard Francis Burton, 1, dans 81. 2-6-6-6-8. 2-6-6-6-8, c'est IEG. 2-6-6-6-8. 2-6-6-6-8. Dans la tradition soufie, le zaïd, de l'arabe zaïr, elle, extérieur, le, manifeste, est celui qui interprète le Coran d'une façon superficielle et puérile et, d'une façon générale, les trois esprits qui s'arrêtent à la surface des choses. 81. 2-6-6-6-8. L'idée que des choses intangibles comme la subjectivité, le rêve, la pensée, l'esprit ont des corrélats tangibles est encore aujourd'hui posé comme un problème, le problème du corps et de l'esprit. En d'autres termes, comment le corps et l'esprit s'influencent, mutuellement? Comment le corps produit-il l'esprit, pour les matérialistes stricts? Le corps est-il un état de l'esprit et l'esprit un état du corps? Quand Sartre affirme que l'existence précède l'essence, il part du principe que l'esprit est un état du corps, ce qui est une donnée immédiate de notre subjectivité adulte. Bien sûr, les données immédiates de la subjectivité ne peuvent être considérées comme des vérités, mais la conscience que nous en avons en est une, savoir que ce que nous ressentons, c'est déjà un moyen d'accéder à la vérité. Bouddhistes et soufis considèrent, à l'inverse, que le corps est un état de l'esprit, qu'il existe quelque chose d'éternel et d'indestructible en nous qui dépasse le corps mortel et qui peut l'influencer de nombreuses façons. En neuroscience, on parle de corrélat neuronal de la conscience et non pas du substrat neuronal ou de base neuronale de la conscience. De fait, en l'état actuel des connaissances, on ne peut réduire entièrement l'esprit au nerf. Ce postulat est une hypothèse pratique qui n'est ni prouvée ni probable, puisque la métaphysique est hors de portée de nos sciences actuelles, mais qui est renforcée, comme le chante Burton dans son poème, par les corrélats physiologiques de notre subjectivité. Quand nous sommes endormis, nous sommes largement inconscients, et quand nous sommes malades, en quelque sorte notre pensée l'est aussi. Quand notre cerveau est lésé, notre pensée l'est également, etc. Il y a donc une physiologie de la pensée, comme il existe une physiologie de l'écriture et de la lecture. Elles sont fascinantes, surtout lorsqu'elles sont défaillantes. En effet, ces physiologies impliquent la possibilité de soins, et vouloir soigner soi-même la physiologie de son esprit, ce qui suppose d'être conscient d'elle, est une quête sensée. Cette physiologie, enfin, est inscrite dans mon air. 1. En anglais, mind-body problem. Libérez votre cerveau. 82.
26668. Nos nerfs sont-ils un ordinateur? Les circuits membraniques du cerveau. Nos nerfs sont des fils d'une version évoluée de l'eau de mer. De l'eau salée qu'il avait à sa disposition, le vivant, par essai-erreur guidé, a créé le liquide contenu dans les neurones. L'eau de mer a en général une teneur en sodium de 10 grammes par litre. Le sérum humain, à 3,3 grammes par litre, est au moins 3 fois moins concentré. L'intérieur des neurones, y compris l'intérieur de leur axone qui transmet les potentiels d'action, laisse de moins encore. Mais, pour simplifier les choses, on peut se représenter la neurophysiologie humaine comme une pelote de fils d'eau, salée, au sens d'eau contenant des ions. Le mode qu'a découvert le vivant terrestre pour élaborer sa technologie de l'information est très supérieur au nôtre. Tout d'abord, contrairement à nos puces sur silicium, il ne repose pas sur des semi-conducteurs stricts, ouverts ou fermés, mais sur des semi-conducteurs, flous, c'est-à-dire continus, avec une grande divée. Cité de nuances entre les types de signaux. L'informatique humaine. Elle est basée sur la transmission ou non-transmission d'un courant, noté 0 ou 1, passant ou non-passant. C'est le principe du transistor. Le nanotransistor, sur silicium dopé, est appelé semi-conducteur parce qu'il permet de faire passer conditionnellement le courant, ce qui n'est pas le cas d'un fil de cuivre à température ambiante, mais la diversité de nuances de ce passage est faible, oui ou non, 0 ou 1. Le vivant terrestre a choisi un autre procédé. Les signaux qu'il échange relèvent de ce que l'on appelle la logique floue, c'est-à-dire une logique où il existe un continuum entre le 0 et le 1, et qui permet une bien plus grande diversité de codage que notre informatique actuelle. Pour le vivant terrestre, en effet, la question, le courant passe-t-il, est initiale, alors qu'en informatique, elle est finale. Dans un neurone, cette question ne fait qu'en rouvrir une grande diversité. D'autres, comment passe-t-il? Dans quelle proportion? Pour comme? Bien de temps? Après quel autre signal? Toutes ces interrogations, on peut les simuler sur ordinateur, mais elles ne sont pas intrinsèques au circuit en silicium, sauf depuis la découverte du même Ristor, une. Qui est votre cerveau? 83. 26668. Une unité de circuit qui ressemble un peu aux synapses, alors qu'elles le sont aux circuits membranaires des neurones 1. Ces nanocircuits, que l'on pourrait appeler membraniques, ont la particularité fascinante d'être interopérables avec d'autres systèmes de signalisation, comme les hormones ou le système immunitaire. Cette interopérabilité, qui n'existe pas dans nos ordinateurs actuels, est encore mal comprise sur le plan technologique. La technologie de la membranique donne aux neurones la richesse d'expression du semi-conducteur, tout en la dépassant, puisqu'elle leur offre en même temps l'accès à l'automaintenance dont un circuit sur silicium actuel est incapable. Cela permet à la membranique d'être consubstantielle à l'homéostasie du corps humain, ce qui est précisément son but, puisque l'innervation sert à produire une sensation qui informe sur l'état du corps. A l'inverse, nos ordinateurs ne s'auto-réparent pas, et l'état d'eux. Leur silicium n'est pas consubstantiel à leur intégrité. Il serait donc faux de dire que le fonctionnement nerveux repose sur l'électronique. On pourrait éventuellement parler de technologie ionique, bien plus puissante en termes de codage que l'électronique. Le corps innervé n'étant pas vraiment métallique, il n'échange pas des électrons mais des ions. Or, si un électron est indiscernable d'un autre électron, un ion sodium n'a pas grand-chose de commun avec un ion calcium. L'entrée de l'un ou de l'autre dans un neurone n'aura pas les mêmes conséquences, car la vie a justement mis au point cette diversité pour en faire un codage plus vaste. Ainsi, non seulement le corps innervé se sert de signaux plus diversifiés et flous qu'un semi-conducteur ou fonctionnement binaire, mais contrairement à un circuit imprimé, il utilise la nature même de ses porteurs de charge, sodium, potassium, calcium, magnésium, pour encoder un signal, c'est ce qui est. 1. Les membranes neuronales n'échappent pas aux règles connues de l'électronique, et on peut les représenter par un circuit équivalent. Mais ce n'est qu'une énorme approximation, rudimentaire par rapport à la subtilité réelle d'une membrane. L'homme ayant propension à faire rentrer le réel dans ses cases plutôt qu'à élargir ses cases à la subtilité du réel, certains ont pu croire qu'une membrane se résumait à un circuit équivalent. Cette hypothèse est utile pour simuler des assemblées de neurones in silico, mais elle n'est pas vraie. Libérez votre cerveau. 84. 26667. Brillant, mais sans surprise, puisque le vivant est l'entité la plus technologiquement brillante qui soit à notre disposition. Le cerveau dans l'évolution. L'impératif de survie, même si nous adorons nous enfermer dans nos propres créations, il serait donc ridicule de vouloir aligner nos nerfs sur les performances des ordinateurs. Si notre cerveau ne calcule pas facilement la racine 73e d'un nombre à 500 chiffres, ce n'est pas parce qu'il en est incapable, mais que cette capacité n'a jamais été fondée par un impératif de survie dans l'évolution. Nos nerfs, dont la justification fondamentale est la survie, ont eu des centaines de millions d'années pour se concentrer sur l'essentiel et se débarrasser du superflu. Nous, arrogants, arrivons intellectuellement au néolithique, il y a 11 000 ans, ce qui n'est rien à l'échelle de l'histoire nerveuse 2, et nous prétendons embarrasser ce système incroyablement profilé de choses inutiles, voire délétères, dogmes, pratiques sclérosées, pétrification mentale. D'où la croyance pernicieuse. Selon laquelle, parce qu'un ordinateur peut effectuer des milliards de calculs arithmétiques à la seconde, il serait plus avancé que nos nerfs. Notre système nerveux, c'est cette subtile colonie de cellules qui peuple notre corps, de notre crâne à notre voûte plantaire, de nos intestins à notre peau. Elle se corrèle à notre sensibilité, notre perception, notre action avec tant d'élégance qu'elle inspire aussi bien notre génie civil que notre robotique. Les nerfs du système nerveux périphérique sont, par exemple, colocalisés avec nos vaisseaux sanguins. C'est une façon simple qu'a trouvé l'évolution de faire guider ces derniers, des tissus mous, les vaisseaux sanguins, par des tissus plus durs, et par la même occasion de corréler la douleur à la perte de sang, de sorte que cette perte nous alerte.
À l'inverse, dans une machine, la perte d'huile n'est pas obligatoirement corrélée à un signal de danger. De même chez nos robots, en qui la menace n'est pas obligatoirement corrélée à un signal, et c'est pour cette raison qu'ils ne sont pas auto. Nom. Cette absence de corrélation devient problématique quand un que le vivant soit l'entité scientifiquement observable la plus brillante sur le plan technologique et le constat de base du biomimétisme. 2. La cellule nerveuse a au moins 700 millions d'années. 11 000 en représente donc moins de 0,0016% de son existence. Qui est votre cerveau? 85. 2-6-6-6-8. Nous concevons des structures amenées à résister à des événements imprévus, comme une station spatiale, par exemple. Nous créons une structure et la dotons de capteurs après coup. Le corps humain, à l'inverse, est structuré par ces capteurs, dont les extensions courent dans la colonne vertébrale. Ces capteurs se mettent en place, en périphérie, en même temps que le sang, le tissu le plus ubiquitaire du corps, et structurent en partie le développement des muscles squelettiques. Dans le développement embryonnaire, les cellules nerveuses sont issues de l'ectoderme, mais elles migrent à travers l'organisme en développement pour innerver aussi bien les tripes que l'épiderme. Un tel système n'existe pas chez les plantes, dont les cellules, engoncées dans une paroi de pectocellulose semi-rigide, ne peuvent pas migrer. C'est au système nerveux que nous devons le délice d'un massage, précisément parce qu'il est organisé en un ensemble complet. Où des parties distantes peuvent s'influencer les unes des autres. Le plaisir d'un massage des pieds ou des mains tient à l'écrasement de nos terminaisons nerveuses et en particulier des nocicepteurs 2, et la sensation qu'il nous procure est un phénomène subjectif fascinant parce qu'il témoigne de ce que notre système sensoriel présente plusieurs régimes de fonctionnement portés sur le même système de codage. La voie de la douleur est aussi celle du plaisir, tout dépend de la pression exercée. Ce principe de redondance, on l'observe aussi dans le système limbique du cerveau, qui est, entre autres, la voie de la peur. Les émotions fortes, dont certaines sont censées nous signaler un danger, peuvent se révéler puissamment addictives, d'où le succès des films d'horreur. Or, une telle redondance est absente de nos systèmes nerveux artificiels. Si vous trifouillez une alarme anti-incendie dans un bâtiment, il y a peu de chances que vous en tiriez autre chose que ce pour quoi elle était prévue. Système autopoïétique. Pour les biologistes Umberto Maturana et Francisco Varla, l'autonomie et la survie sont la base des sciences cognitives. 1. Le feuillet de l'embryon qui donnera notamment la peau. 2. Les nocicepteurs enregistrent également un écrasement dangereux ou un percement de la peau. Libérez votre cerveau. 86. 2-6-6-6-8. L'intelligence étant coextensive à la vie, l'intelligence artificielle sera de la vie artificielle. Cette théorie est connue comme autopoïèse, une notion scientifiquement riche pour définir la vie. Est autopoïétique tout système qui s'auto-organise dans une limite qu'il crée lui-même. Prenons l'exemple de la cellule vivante, sa membrane permet au métabolisme d'exister en préservant les conditions de concentration nécessaires à son fonctionnement, et le métabolisme crée à son tour les composants de la membrane. Les étoiles, également, sont autopoïétiques, car elles possèdent un métabolisme nucléaire dont les conditions d'existence sont permises par leur limitation même. Elles sont également dotées d'un système de reproduction, apparemment sans sélection naturelle, mais avec enrichissement. Quand une supernova explose, elle crée dans la nébuleuse autour d'elle des ondes de compression qui augmentent la probabilité d'y voir naître d'autres étoiles, et libère en même temps des noyaux plus lourds, qui n'étaient pas forcément présents chez elle avant sa mort. À ce titre, on pourrait un jour considérer les étoiles comme vivantes. Mais c'est encore trop tôt pour le dire, en l'état actuel de nos connaissances, nous ne pouvons affirmer qu'elles sont cognitives. Si c'est le cas, si elles s'adaptent bel et bien à leur environnement, la temporalité de cette cognition dépasse et n'est pas observable dans le temps où vit l'humanité, autour de 200 000 ans. Peut-être que les étoiles sont capables de communication et de cognition, mais l'ampleur de nos sciences est trop réduite pour sonder ce phénomène aujourd'hui. Par un biais humain, certains scientifiques ont tendance à s'interdire tout mouvement intellectuel qui ne suivrait pas en pan courant des sciences, alors que c'est à l'ampleur des sciences de suivre l'esprit humain et non inverse. L'expérience Bolchois. Il existe un phénomène astronomique dont nos sciences ont pu s'emparer, en partie seulement, et qui nous donne une petite idée de la structure de cet organisme complexe qu'est l'univers, car de même que tenir un objet dans ses mains ce n'est pas tout en savoir, tenir un objet dans nos sciences ce n'est pas non plus en savoir tout. Il s'agit de la simulation de la répartition de la matière noire et de l'énergie noire dans l'univers, avec l'expérience Bolchois réalisée sur le supercalculateur Pléiade de la NASA. Qui est votre cerveau? 87. Bolchois est une simulation fascinante car elle envisage l'univers selon une structure particulièrement raffinée, loin de l'aléatoire que l'on imagine trop souvent, notamment dans la répartition des galaxies. Comme un écosystème, l'univers observable semble former de niveaux de complexité intriqués les uns dans les autres, de la simple étoile au super-amas comme l'Agnakéa. Peut-être un jour découvrirons-nous des liens élégants entre ces étoiles que l'univers contient en un nombre bien plus grand que notre cerveau ne contient de neurones 2. La question, est-ce que les étoiles sont cognitives, interroge le principe même de la cognition. Or ce sujet est si vaste et nous le maîtrisons si peu que nous sommes aujourd'hui incapables de reproduire une cognition complète en laboratoire. Et pour cause, le phénomène de la cognition tient en partie à son imprévisibilité. Si vous criez quelque chose à une pierre lancée, sa trajectoire n'en sera pas maudite. Fiez. Si vous criez quelque chose à un humain qui court, vous pouvez changer son comportement. Ça, c'est un résultat de la cognition. Pour le reste, si nous considérons notre cognition en particulier, elle est profondément différente du fonctionnement d'un ordinateur.
Une certaine génération de chercheurs et de philosophes a voulu limiter la cognition au langage, alors que l'esprit contient le langage, mais que le langage ne contient pas l'esprit. Toujours la même erreur tragique, par laquelle nous confinons l'inconnu. Un Flaniakea est en quelque sorte Nord adresse dans l'univers, un super amas de 22 000 galaxies, dont la nôtre, en mouvement autour d'un flot de matière noire appelé « grand attracteur » et dont on ne sait quasiment rien. Flaniakea signifie « paradis incommensurable » en dialecte hawaïen. Tuli, R. B. Courtois, H. Hoffman, et Pomared, D. The Flaniakea Supercluster of Galaxy, Nature, 2014, 513, 7173. 200 milliards au carré est une estimation fréquente pour le nombre d'étoiles dans l'univers. 100 milliards est la borne supérieure du nombre de neurones dans notre seul cerveau. Une étude en dénombre en fait 86 milliards en moyenne. Azevedo, F. A. Carvalho, Elter, Grimbert, L. D. Farfel, J. M. Ferretti, R. Leite, R. E. Lan, R. Et Herculano Zell, S. Equal number of neuronal et no neuronal cells make the human brain en isométrie d'Alice Caled of primate brain. Libérez votre cerveau. 88. 266. Au connu, le non maîtrisé ou maîtrisé, le créateur ou créé. Cette erreur a perduré longtemps, aussi bien dans certaines écoles de philosophie que dans certaines écoles de sciences cognitives. En philosophie, elle a donné lieu à la croyance selon laquelle tout travail qui n'est pas rigoureusement typé logiquement, dans le sens de Bertrand Russell, n'est pas philosophiquement. Si ce débat perdure, c'est que le fonctionnement naturel de notre pensée ne suit pas celui des machines et que, dans une civilisation d'ingénieurs et de techniciens, la valeur de celui qui peut confiner son esprit aux instructions machines semble naturellement plus grande que celle de celui qui ne le peut pas. Il est vrai que notre esprit doit réaliser des efforts pour se confiner aux instructions machines, parce qu'il n'a pas été formé comme cela. Or, jusqu'à preuve du contraire, il n'existe encore aucune série d'instructions. Machine capable de survivre dans la nature. Si notre esprit ne fond. Ce n'est pas selon elle, c'est qu'il y a une raison. En particulier, notre esprit ne type pas les variables qu'il manipule. Bertrand Russell avait introduit le typage des variables pour pallier le paradoxe qui porte désormais son nom, et qui avait fait pâlir le logicien Frege, l'ensemble des ensembles qui n'appartiennent pas à eux-mêmes appartient-il à lui-même. Pour résoudre ce paradoxe, Russell avait établi comme principe logique l'interdiction de mélanger dans une phrase logique des objets et des ensembles qui les contiennent, les contenants et les contenus. C'est ce que réalise pourtant notre esprit en permanence. Les phrases que nous écrivons sont naturellement hétérogènes, nous pouvons mettre « moi » et « tous les gens comme moi » sur le même plan, dans la même phrase. Le cerveau fonctionne ainsi, nos ordinateurs, non. Cognitivisé. Cet aspect des choses est particulièrement intéressant quand nous considérons nos rampants cognitifs. Comme je le disais plus haut, si. Concrètement, un groupe de philosophes déclara que, parce que la pensée de Derrida n'était pas conforme à leur idée de la philosophie, il ne pouvait pas être un philosophe. Cette attitude existe encore aujourd'hui dans le monde universitaire. Qui est votre cerveau? 89. 2-6. Nous pouvons soulever des objets plus encombrants que l'empan de notre main à la condition qu'ils soient munis d'une poignée, il en va de même des concepts. Notre cerveau peut soulever des concepts encombrants s'ils lui sont présentés ergonomiquement. Il est dommage que l'art de mettre des poignées au concept ou pédagogie soit encore méprisé, parce que sa maîtrise pourrait révolutionner l'enseignement et la recherche, notamment en mathématiques. Le mathématicien au travail n'est limité, en fait, que par l'EMPAN de son esprit, qui ne peut penser trop de coups à l'avance, opérer trop de transformations mentales à la fois, combiner trop de concepts. Si nous pouvons étendre artificiellement les empans de notre vie mentale, nos déplacements dans la noosphère seraient beaucoup plus rapides, efficaces, plus énergiques, simplement plus puissants. Parce que les empans de la vie mentale sont encore prêts. Limité, je ne peux imaginer à quel point le monde serait transformé. Si nos esprits avaient plus de leviers, notre esprit peut jongler avec plusieurs empans, c'est ce que font, consciemment, les athlètes de la mémoire et les prodiges. Considérons pour notre part l'objet mental, Rome, il est trop vaste pour notre conscience. Et contrairement aux objets physiques susceptibles de préhension auxquels nous sommes habitués, les objets mentaux ne sont pas solides quand on les soulève. Si vous voulez soulever une carafe d'eau, vous devez en supporter tout le poids. Si vous voulez dire, Rome, il n'en est rien. Il faut plus de temps pour prononcer mentalement « coliser » que « Rome ». Pourtant, s'ils étaient des fichiers informatiques, le second pèserait bien plus lourd que le premier. Il nous est impossible de penser tout Rome, alors nous en convoquons des tranches subjectives superficielles, des étiquettes, et c'est ce mécanisme qui est, entre autres, à l'origine des clichés. Rome en tant que tel, avec toute son histoire, toutes ses rues, ses perspectives, ses gens, est impossible à charger entièrement dans notre esprit. Il en va de même pour tous les objets courants de la vie mentale, moi, lui, ma mère, mon voisin, mes enfants, etc. Les clichés existent parce que le cerveau humain est, selon l'expression de Susan Fiske et Shelley Taylor, un cognitif misé, miséreux cognitif, qui cherche toujours à faire le moins d'opérations mentales possible. Libérez votre cerveau. 90. 266687. Le cerveau est les raccourcis, les pensées automatiques, et quand il doit choisir entre facilité et vérité, bien trop souvent, il choisit la facilité. Appréhender un objet mental dans son intégralité nous est impossible. Penser toute une ville représente un effort mental inaccessible. C'est cet effort, pourtant, que certains artistes ont voulu réaliser, comme Saint-Jean Perse dans le poème « Anabase », où il entreprend de saisir la fondation d'une ville, avec toute la magnanimité que cela nécessite.
La méthode de Peirce, en vogue à son époque, est connue sous le nom de « courant de conscience ». Elle se manifeste par une succession d'images évoquant la ville et demande un grand effort de lecture. Parce que le cerveau est partisan du moindre effort, l'immense majorité des gens n'essaie pas d'agrandir leur conscience. C'est là une source infinie de maux humains. Et c'est aussi la raison pour laquelle un poème de Saint John Peirce est difficile à lire. Car la clé de tous les débats, de toutes les décisions, de toutes les politiques, c'est la magnanimité, la grandeur de la conscience. Le tout mouvement politicien est d'une pusillanimité sans nom, incapable de penser les choses dans leurs nuances, manipulant des objets comme France, les Français, l'avenir, l'économie, l'emploi, sans en avoir l'ombre d'une représentation mentale précise. Ceux qui ont donné, puis exécuté l'ordre du feu nucléaire sur Nagasaki et Hiroshima n'avaient pas la conscience assez grande pour se représenter seulement des activités d'un pâté de maisons de civils, même sur quelques jours, mais ils ont brûlé deux vies entières, famille, histoire, chair et émotion, parce qu'il était trop inconscient. Cerveau saturable, cerveau adaptable. Mais... Et notre cerveau est saturable, et cette saturabilité a un énorme avantage, l'adaptabilité. Ainsi, nous pouvons nous relever de l'éradication d'une ville entière comme nous pouvons nous relever d'un seul accident d'autobus parce que l'accident d'autobus sature aussi bien nos émotions fortes que la destruction de cette ville. Notre cerveau ne peut pas se morfondre au-delà de certaines limites, il finit par aller de l'avant. La saturabilité n'a pas été sélectionnée accidentellement par l'évolution. Dans les années 1980, le psychologue Robert Kutchik a ainsi théorisé l'existence d'une « roue des émotions » ou « cône des ». Qui est votre cerveau? Non. 266678. Émotion qui capturait la diversité émotionnelle humaine. Il s'agit d'une rosace de 8 éléments, plus ou moins opposés et composables, comme des couleurs. Sérénité. Joie. Extase. Rage, aversion, chagrin. Tristesse. Songerie, remords, désapprobation, ennui, distraction, dégoût, surprise, outrage, crainte, étonnement, contrariété, colère, terreur, peur, appréhension. Optimisme, anticipation. Vigilance, adoration, agressivité, soumission, attirance, résignation, amour. Le cerveau humain sent... d'étiqueter le monde réel avec ses émotions, un étiquetage qu'il met régulièrement à jour, ce qui explique la relativité des réponses émotionnelles. Un enfant des pays riches ne pleurera pas pour les mêmes raisons qu'un enfant des pays pauvres. L'un, par exemple, pleurera parce qu'il n'a pas reçu le cadeau qu'il voulait, l'autre parce qu'un de ses amis a sauté sur une mine. Notre cerveau se base sur les événements qui l'entourent pour définir un niveau de réaction. L'importance de ce qui nous fait réagir dépend de ce qui est commun dans nos vies, et c'est pour cela que, malgré un différentiel de confort physique et mental énorme, nos ancêtres du Moyen Âge riaient et pleuraient sans doute autant que nous. La roue des émotions de Kutchik est utile pour la formation des acteurs, en particulier dans la « méthode » de l'acteur studio. Libérez votre cerveau. 92. Qui repose sur la mémoire émotionnelle. Quant à la grandeur de conscience, il ne faut jamais oublier que d'elle seule dépend la grandeur de l'humanité. Nous prenons constamment des décisions, manipulons sans cesse des objets de la vie mentale trop immenses pour nous, et cela nous rend naturellement irresponsables, mais aussi bien résilients. Pour nous rappeler que ce qui est proche de nos sens est plus facile à se figurer mentalement que ce qui les dépasse, Saint John Peirce eut ce vers puissant, ce monde est plus beau qu'une peau de bélier peinte en rouge. La peau de bélier rouge qui sèche chez le tanneur est directement accessible à mes sens, elle me touche et me fascine. Mais le tanneur a plus de peau, et la ville a plus de boutiques, et le pays a plus de villes, et le continent plus de pays, et le monde plus encore de continents que je ne peux imaginer. Alors oui, le monde est plus beau que cette peau peinte en rouge. Même si c'est par elle que ma conscience y accède. Pour notre conscience, l'accessible est un chemin vers l'inaccessible. C'est un principe de pédagogie, donc de neuroergonomie. Le cerveau est un monde. Une économie cérébrale. La meilleure façon de comprendre notre cerveau, c'est de le voir comme un monde, une planète peuplée. Une petite aire cérébrale ressemble beaucoup à une grande ville, dont chaque humain pourrait être un neurone. Contrairement aux humains dans une ville, les neurones ne se déplacent pas dans le cerveau adulte, mais ils produisent et échangent leur production. L'activité économique humaine est donc une bonne métaphore de l'activité cérébrale. Des populations humaines créent des biens et des services, transmis à d'autres populations humaines, qui les transforment, les assemblent et les améliorent. La fabrication de « la parole », par exemple, ou de « la lecture », est très comparable à la fabrication d'un ordinateur dans l'économie mondiale. Certains composants sont fabriqués en Thaïlande, d'autres en Corée, certains en Californie, etc. Le fonctionnement du cerveau est un commerce mondial de services neuronaux, basé sur l'échange. Qui est votre cerveau? 93. 266678. C'est sélectionné, en partie par l'évolution de l'espèce, en partie par l'évolution neuronale in utero. Le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux parle de « darwinisme synaptique » pour expliquer la mise en place de certains réseaux de neurones avant et après la naissance. Dans son développement, le cerveau serait ainsi traversé de vagues d'activités sortes de « hola » neuronales dont certaines, par un jeu d'essais et erreurs comparables au mécanisme de l'évolution dans un écosystème, finirait par définir des réseaux fonctionnels. Ce mécanisme pourrait aussi se comparer à la mise en place d'une rivière sur Terre. Comme dans la logistique d'une multinationale, notre cerveau crée donc des chaînes de valeur, et toutes les fonctions élaborées de notre vie mentale sont aussi complexes que les produits et les services élaborés dans notre économie mondialisée. De même que l'on ne peut pas dire où est fabriqué un ordinateur, si son design. Et ses logiciels sont californiens, ses pièces thaïlandaises, coréennes, japonaises et son assemblage chinois, on ne peut pas dire où est fabriquée la lecture.
En revanche, on peut identifier les principales cellules de sa chaîne d'assemblage dans le cerveau. Telle une zone d'activité dans le tissu économique mondial, chaque aire cérébrale est responsable d'un service, et ce qu'elle crée peut être utilisé à plusieurs fins, exactement comme en économie, une usine de tissu peut fournir plusieurs usines avec des débouchés différents. Dans notre cerveau, le cervelet exporte des services de calcul élaborés qui servent à la coordination des mouvements, mais qui peuvent aussi entrer dans la composition à calcul mental. C'est le cas chez le calculateur prodige Rudy Gegam, qui utilise notamment son cervelet pour diviser mentalement des nombres premiers jusqu'à la 60e décimale. Notre cerveau est une gigantesque économie de services, et chaque aire est exportatrice et ou importatrice d'un service. Nos capacités cognitives sont des Legos de services assemblés. Et dans ce grand Lego des services, nous sommes loin d'avoir exploré toutes les possibilités offertes par nos briques neuronales. La lecture et l'écriture, que notre cerveau ignorait au début de l'existence d'Homo sapiens sapiens, sont un cas fascinant d'assemblage nouveau, fabriqué en bricolant plusieurs services neuronaux ensemble. Ce bricolage n'est certainement pas terminé, nous pouvons innover en manipulant les services de nos neurones, et créer des valeurs nouvelles. Libérez votre cerveau. 94. 2666878. Inattendu, qui pourront changer le monde autant que le fil d'écriture. Dans mes travaux, j'ai nommé l'un de ces nouveaux bricolages, L, hyperécriture. Produit neuronal. De base des produits neuronaux finis, nous ne pouvons pas modifier les industries de base de notre cerveau, qui sont fixées par l'évolution. Le service de base que rendent les assemblées de cellules de Purkinje du cervelet est fixe. Le service de base que rendent les cellules de lieu de l'hippocampe et les cellules de gris du cortex entorhinal est fixe. Le service de base que rendent les neurones miroirs du cortex prémoteur est fixe, comme l'est celui que rendent les neurones sensibles au nombre du sillon intrapariétal. Mais ce que produit une œuvre humaine telle consciente, la pensée, la planification mentale, le chant, la lecture, le jeu, etc., tout cela est un assemblage aussi complexe de ces services qu'un ordinateur en fonction d'est de ses composants. Si nous étions davantage conscients de cela, nous pourrions bricoler un tas de nouveaux circuits cognitifs, selon le principe des FAB. Lab. Les émotions de notre vie mentale, ces produits finis des services neuronaux, nous pouvons encore les améliorer, à l'infini. Nous débutons à peine dans le bricolage des services neuronaux, bien des médias restent à développer, bien d'autres formes de la vie. La vie mentale. Et l'écriture, qui a pourtant marqué l'humanité en définissant même son histoire, n'est rien par rapport aux innovations qui nous attendent encore. De même qu'il y existe une microéconomie, comportement d'un consommateur ou d'un ménage, une mésoéconomie, comportement d'une entreprise, une macroéconomie, comportement d'un pays ou du monde, il y a une microéconomie neuronale, comportement d'un ou de quelques neurones, une mésoéconomie neuronale, comportement de l'aire cérébrale, et une macroéconomie neuronale, comportement du cerveau, de la conscience. Autant d'indicateurs cognitifs de la production neuronale qui sont l'équivalent, dans la vie mentale, des indicateurs économiques de la production d'un pays, comme le PIB, par exemple 1. Le QI est de cela, mais il est plus limité encore que le PIB en économie. Qui est votre cerveau ? 26668. Tout en filant la métaphore économique, on pourrait donc parler de « produit neuronal de base » pour définir le service de base produit par une aire cérébrale, et de « produit neuronal fini » pour décrire le service assemblé, par exemple la lecture ou la conscience. Ci-dessus, vue latérale gauche du cerveau humain avec des aires connues pour leur implication dans la construction de la lecture, reconnaissance des mots et de leur sens, jusqu'à la compréhension d'une phrase entière. 1. Ce que j'appelle le produit neuronal de base, c'est le service rendu par une seule aire cérébrale, par exemple l'aire de reconnaissance de la forme visuelle des mots, aire occipito, temporale ventrale, située stratégiquement sur la route commerciale entre le lobe occipital et le lobe temporal. Le produit neuronal fini, en revanche, c'est la capacité à lire. Une image assemblée grâce à la plateforme Lingerbrun de Mesmoudi et Burnot de l'Inserm. Libérez votre cerveau. 96. 26668, c'est l'urbanisme du cerveau. Si vous comprenez l'anatomie d'une ville comme Paris, vous pouvez comprendre l'anatomie du cortex cérébral. Le Paris de notre époque est encore largement structuré par les réformes urbaines d'Haussmann, qui organisent la ville autour de grands axes flanqués d'immeubles d'environ 6 étages. Cela tombe bien, le néocortex humain a 6 couches. Pendant longtemps, on a cru que cette organisation était la seule à garantir des fonctions cognitives élaborées, mais les découvertes récentes sur l'intelligence des oiseaux, qui n'ont pas de néocortex, mais une structure très différente sur le plan anatomique, le pallidum, nous a rappelé que, de même que les villes peuvent s'organiser différemment, les cerveaux peuvent produire les mêmes cognitions avec un urbanisme neuronal différent. Dans le Paris haussmannien, prenons un immeuble qui abriterait des bureaux, on trouve à un étage un cabinet d'avocat. À un autre un cabinet médical, à un autre une régie publicitaire. Et à un autre encore un incubateur de start-ups. À chacun de ces étages, des bureaux individuels occupés par des humains. Chaque humain représente un neurone, il échange avec son voisinage immédiat, qui peut l'inhiber ou le stimuler, mais aussi avec d'autres humains à l'autre bout du monde et même plus souvent avec ces humains du bout du monde qu'avec ceux qui se trouvent quelques étages en dessous. Notre cerveau fonctionne sur le même principe architectural, sauf qu'en général, les neurones proches le sont pour travailler plus facilement ensemble.
La création de services neuronaux, comme celle de services humains, fait intervenir des échanges locaux les collègues de bureau et des échanges lointains les correspondants d'un email. Pendant longtemps, le Paris haussmannien associait à chaque étage une couche sociale bien précise. Le deuxième était par exemple l'étage noble, réservé aux riches, quand le dernier, sous les combles, abritait les chambres de bonne. Avec l'apparition de l'ascenseur, comme le note Serge Soudoplatov, cette sociologie verticale s'est trouvée substituée par une sociologie horizontale. Les familles pauvres ont été progressivement boutées hors de Paris, et les derniers étages, plus lumineux. Qui est votre cerveau ? 97. Et calme, sont devenus la coqueluche des acheteurs hype. Le néocortex humain est stratifié lui aussi, les couches jouant des rôles parfois différents, et cette stratification est également le fruit de révolutions évolutives. Dans l'économie mondiale, il serait difficile de définir précisément le rôle joué par une petite ville comme Cambridge, au Royaume-Uni, la diversité de ses productions ainsi que leurs destinataires. Si Cambridge est petite, son influence mondiale dans la production de services est grande. Il en va de même de certaines zones du cerveau, notre glande pinéale, qui est tellement cruciale qu'elle est considérée depuis longtemps comme un chakra dans le bouddhisme et un atef dans le soufisme, à la taille d'un grain de riz. Pourtant, sans elle nous ne pourrions ni dormir, ni rêver, ni vivre, et nous sommes encore très loin d'avoir tout compris de son fonctionnement intégré. Les divisions du cortex cérébral. La méthode de Corbinian-Brodmann, basée initialement sur la réaction des tissus à une teinture bleue comme l'aniline, est une façon simple de subdiviser le cortex cérébral. Elle permet de délimiter 52 zones sur chaque hémisphère. L'aire numéro 7, par exemple, est située dans le lobe pariétal et présente des neurones essentiels à la fabrication du service cognitif fini, définir la position des objets par rapport à moi. D'où sa position stratégique entre les aires visuelles et les aires motrices. D'après Mesmoudi et ses collaborateurs, elle est également au cœur d'un vaste réseau appelé VSAPTF, pour viso-spatio-auditif, et pariéto-temporo-frontal, qui est en quelque sorte la route de la soie du cerveau. Ce modèle est fascinant car il identifie les deux axes commerciaux principaux de l'économie cérébrale. L'une semble intégrer les informations arrivant au cerveau par les sens en mobilisant des neurones multimodaux 2, l'autre semble le confronter aux souvenirs et à la planification mentale.
1. Nesmoudi, S. Perlbar, V. Rudrof, D. Metz, A. Insar, B. Hasboun, D. Scioli, C. Marlec, G. Taureau, R. et Ben Ali, H. Resting State Networks, Corticotopie, The Dua Intertwined Ring Architecture, Plus 1-8, 2013, E67444. 2. Ces neurones qui parlent, par exemple, aussi bien la langue de la vision que la langue de l'audition. Le cerveau est comme un monde, ne l'oublions pas, et toutes les aires cérébrales n'y parlent pas la même langue technique. Libérez votre cerveau. 98. 266. SA1 à 2B 1B2. AVV versus IF IP MP MF mon IT. PTF VS assis dessus le modèle, VSAPTF, de Mesmoudi et Al. Deux anneaux sont entrelacés et structurent le cerveau humain. En noir, l'anneau, visuo-spatio-auditif, VSA. En hachuré, l'anneau, pariéto-temporo-frontal, PTF. Qui est votre cerveau ? 99266667-j-cerveau-s6tc. L'anneau VSA a pour fonction d'intégrer l'information entrante et le PTF la confronte à l'expérience et à la planification mentale. Avec le corps qu'a le faisceau de connecteur entre les deux hémisphères, ces anneaux VSA et PTF seraient les plus grandes routes commerciales du cerveau, en termes de services neuronaux échangés. Si l'on prend les aires de Brodmann pour définir la géographie du cerveau humain, cela donnera la carte suivante, versée au domaine public par le chercheur Mark Dow. L'image semble complexe au premier abord, mais si l'on compte 52 aires de Brodmann, la carte étant symétrique, cela en fait toujours beaucoup moins à connaître que de pays sur Terre. Rien qu'en Eurasie, il y a presque deux fois plus de pays qu'il n'y a d'aires de Brodmann. Survoler l'économie du cerveau, cela revient finalement à retenir 52 pays, avec quelques-uns de leurs imports et de leurs export. Une tâche relativement facile, qui ne réclame pas plus de 5 heures de travail. On peut partir du pôle nord, le haut du sillon central qui sépare les lobes frontal et pariétal, et autour duquel s'organisent les aires somatosensorielles et somatomotrices, et continuer la numérotation comme si l'on devait nommer les nations du nord au sud. L'année 2016 a vu également une découverte majeure en matière de cartographie cérébrale, améliorant considérablement notre compréhension des aires du cortex. Si l'on superposait la silhouette de 210 personnes sur une image moyenne, on verrait se détacher plus clairement les proportions régulières du corps humain. Une équipe de chercheurs internationale en a fait exactement de même avec le cerveau, superposant 210 cerveaux différents en étudiant notamment l'architecture de leur voie de communication, la substance blanche. Cette étude majeure a produit une carte beaucoup plus affinée, délimitant 180 aires cérébrales selon leurs différences entre elles. Chaque aire est similaire en elle-même et différente des autres, comme le résume Matthew Glacé II, premier auteur de la publication. Par 100. 2, 6, 6, 6, 8, 7, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 12, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 17. Différentes, il faut entendre selon son anatomie, sa fonction, sa connectivité et sa forme. De même, dans une ville, une zone industrielle n'a pas la même architecture, la même fonction et le même réseau routier qu'une zone pavillonnaire. L'importance de cette découverte est bien exprimée par le chercheur Greg Farbe. Vous voyez à quoi ressemble une carte de 1500 et une carte de 1950. Eh bien, en termes de résolution et de qualité d'image, je crois que l'on vient de passer de 1500 à 19501. La métaphore de la carte est très juste, car notre cortex cérébral est comme une feuille chiffonnée, le chiffonnement est justement la meilleure méthode mathématique pour faire tenir une grande surface dans un petit volume. Mise à plat, cette carte dépliée, de la taille d'une pizza, est maintenant connue pour avoir 104,20 nations. Notre cerveau est un monde entier, peut-être un jour. Notre monde fonctionnera-t-il avec la même précision collective que le cerveau, d'ailleurs. Un muscuti, S, aussi. Qui est votre cerveau ? 101. 2, 6, 6, 6, 8, 7, 8. Des rivières cérébrales. La théorie réticulaire. Il y a des routes commerciales dans le cerveau, et elles ont leurs emplacements stratégiques. L'aire de reconnaissance visuelle des mots est située au carrefour des aires visuelles et auditives. Quant à l'aire de Wernicke, elle se trouve entre le cortex temporal, pariétal et la route qui mène au frontal, un peu comme Bâle se situe entre la Suisse, la France et l'Allemagne. Or si le cerveau est un monde, il est aussi traversé de ces grands axes hydrographiques que sont les faisceaux de substances blanches reliant les neurones entre eux. Il existe d'ailleurs une technique d'imagerie cérébrale qui permet de les suivre, l'imagerie par tenseur de diffusion, ou tractographie, qui identifie les fils d'ossalés parcourant le cerveau, et grâce auxquels les neurones se connectent les uns aux autres. Tout se passe comme si le cerveau était parcouru de fleuves, dont la plupart sont fixés peu après la naissance, mais dont les cours peuvent se réarranger pour former de nouvelles cartes. Les deux pères fondateurs des neurosciences modernes, Santiago Ramón y Cajal et Camillo Golgi, reçurent ensemble, en 1906, le prix Nobel de physiologie ou médecine pour leurs travaux sur l'histologie du cerveau. Ils avaient pourtant une vision opposée de son organisation.
Ramon et Cajal défendaient la théorie dite « cellulaire », selon laquelle le cerveau est composé de cellules cloisonnées, indépendantes, que l'on appelle aujourd'hui « neurones » et « cellules gliales ». Ces cellules communiquent en général par des jonctions chimiques ou électriques, que l'on appelle « synapses ». Golgi, lui, défendait la théorie dite « réticulaire » du cerveau, selon laquelle il aurait formé un continuum liquide sans interruption membranaire, tissu appelé « syncytium », et structure d'autant plus probable qu'elle forme déjà les fibres de nos muscles squelettiques. Si l'on considère aujourd'hui que Golgi avait tort, sa théorie demeure toutefois une belle image pour la compréhension du cerf. Vaut, on peut, en effet, le voir comme un monde parcouru de rivières. À chaque compétence reproductible, jouer du piano, descendre une piste en ski de bosse, conduire, chanter, résoudre. Libérez votre cerveau. 102. 266687ILG. Une équation différentielle aux dérivées partielles, par les Chinois ou dessinée correspond une rivière cérébrale, qui est souvent la même dans le cerveau de beaucoup de gens. Ainsi, la rivière de la lecture emprunte un bras que l'on appelle faisceau arché, qui connecte l'aire de Wernicke à l'interface des lobes temporal et pariétal, et l'aire de Broca dans le lobe préfrontal. Stigmergie. Plus nous renforçons une compétence en la révisant, plus sa rivière associée se renforce. L'apprentissage de la lecture, par exemple, renforce notablement le faisceau arché. Cependant, si la lecture fait son lit d'une façon similaire chez la plupart des gens, certaines compétences peuvent donner lieu à des rivières cérébrales très différentes. C'est l'une des diverses applications de la neuroergonomie. Quand il s'agit de sauter le plus haut possible, l'être humain peut adopter au moins deux positions très différentes, ou bien la technique du ciseau ou bien le Fosbury Flop, qui s'avère plus efficace. En effet, aux Jeux Olympiques de 1968, Dick Fosbury démontra de façon spectaculaire que la position de saut utilisée par tous ses pairs n'était pas la meilleure, même s'il prétendait le contraire. De même, les rivières cérébrales sur lesquelles reposent nos compétences ne sont pas forcément optimales. Un prodige comme Rudy Gagne nous le démontre pour le calcul, Nelson Delille. Rappel pour la mémorisation, etc. Nous améliorerions considérablement notre hydrographie cérébrale en trouvant des voies optimales pour chacune des compétences humaines. Ces voies nouvelles, nous pourrons ensuite les consolider de différentes manières, par la stimulation transcrânienne à courant direct, par exemple, et, surtout, les mettre en commun dans l'humanité. En science des systèmes complexes, les rivières cérébrales sont des stigmergies, c'est-à-dire des chemins efficaces qui se trouvent tout seuls. Le terme, issu de la fusion entre synergie et stigma, signe, est dû au biologiste Pierre-Paul Grasset. L'exemple le plus typique de stigmergie est la façon dont les fourmilières calculent automatiquement des chemins efficaces pour les ouvrières. Les fourmis déposent des phéromones au sol et sont conditionnées. Qui est votre cerveau? 103. 266687ILJ-cerveau-CSISTC.INDD 103 2 septembre 2016 14h38min59s. Suivre le chemin le plus odorant, qui se trouve aussi être le plus densément fréquenté, donc souvent le plus court. Comme les fleuves, les rivières cérébrales sont stigmergiques, selon un chemin de moindre effort. Cependant, de même que d'infimes changements topographiques peuvent bouleverser la dynamique d'une rivière, de petits changements peuvent bouleverser nos rivières cérébrales. Nous avons vu que l'innervation guidait l'irrigation du corps, et à l'image du sang qui irrigue matériellement nos chairs, le système nerveux les irrigue immatériellement d'informations. Ces rivières de signaux parcourent notre organisme et interagissent d'une façon encore mal connue et mal cartographiée. On a ainsi découvert récemment que le cerveau possédait un système lymphatique 1, résultat scientifique qui aurait été raillé il y a encore 5 ans. On a découvert également que le nerf vague jouait un rôle décisif dans l'apparition de la maladie de Parkinson. Les patients vaguectomisés ont peu ou pas de chance de développer la maladie, ce qui est très surprenant d'eux. Notre cerveau est conçu pour l'action. Neurones et mouvements. Il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir sur le neurone. On a longtemps pensé que son origine était unique dans l'évolution, alors que son apparition en tant que cellule pourrait avoir plusieurs sources différentes. Mais l'intuition la plus essentielle que nous en ayons aujourd'hui, c'est qu'il sert avant tout au mouvement. Le système nerveux, en effet, est utile aux organismes multicellulaires qui se meuvent, d'où sa nécessité chez la simple méduse pour coordonner ses déplacements. Notre système nerveux central est une vaste moelle épinière dont la partie supérieure, devenue redondante du fait que le contrôle des 1. Libérez votre cerveau. 266687ILJ-BAS. Mouvement basique ne nécessite pas un cortex a priori, à évoluer pour former le cerveau. Cerveau et moelle épinière sont intrinsèquement des systèmes de mouvement, et la pensée, comme Henri Bergson l'avait spéculé, est aussi une forme de mouvement. Nous avons vu que le cerveau pouvait recruter des services neuronaux d'origine cérébelleuse pour effectuer un calcul mental. Or ce principe est général, la pensée abstraite est issue de cellules dont le rôle tourne autour du mouvement. Notre cerveau est conçu pour l'action. Les plantes n'ont pas de cerveau, mais cela ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de cognition. Tout ce qui vit possède une cognition, et comme l'écrivait le psychologue américain William James, des créatures très basses dans l'échelle intellectuelle pourraient bien être capables de conception, il suffit pour cela qu'elles soient capables de reconnaître la même expérience. 1. Polype pourrait bien être un penseur conceptuel, si le sentiment. 2. Et salut machin truc que j'ai déjà vu avant apparaît dans son esprit. Notre système immunitaire, par exemple, est un penseur conceptuel au sens donné par James, parce qu'il sait reconnaître des pathogènes qu'il a déjà vus. Si nous pouvons l'entraîner à un changement de paradigme cognitif, pour qu'il comprenne que les pathogènes de la grippe ou du sida qui changent trop vite pour sa compréhension sont en fait un seul pathogène, nous pourrions guérir de ces infections.
mais en termes d'éducation immunitaire, il nous reste beaucoup à apprendre, et là aussi, l'ergonomie cognitive est un domaine ouvert. Les plantes ont une cognition beaucoup plus avancée que nous l'avons longtemps cru, dans notre arrogance toute humaine. Mais elles n'ont pas de neurones 1. Nous, en revanche, sommes énervés parce que nous devons chercher activement notre nourriture et fuir des organismes qui nous cherchent activement comme nourriture. Notre pensée vient du mouvement, elle est un mouvement. Nos neurones ont d'abord servi à définir une kinésphère, un ensemble de mouvements possibles, puis une noosphère, un ensemble de pensées possibles, et cette noosphère nous est encore largement inconnue. Les plantes carnivores, cependant, qui coordonnent des mouvements pour capturer des insectes, sont dotées de cellules de plus en plus comparables à nos neurones. Qui est votre cerveau? 105. 266687i. Kinésphère et noosphère. Les animaux nous donnent cependant des leçons dans l'exploration et la libération de notre potentiel. Ils procèdent par essais, erreurs et parviennent à réaliser des mouvements, physiques ou intellectuels, que nous ne leur aurions jamais prêtés. Certains serpents, comme Chrysoplea ornata qui vit au Vietnam, peuvent sauter d'arbre en arbre et planer sur une distance allant jusqu'à 100 mètres. D'autres, comme le mamba noir, peuvent filer à plus de 30 km à l'heure en s'appuyant sur les hautes herbes, et la plupart peuvent nager, sur ou sous l'eau. Ces postures possibles, ces états possibles de leur kinésphère, les serpents les ont trouvés par essais-erreurs, dans cette posture typique de la nature, qui la distingue tellement de l'économie humaine, et qui explique sa durabilité, sans avoir peur du futur, sans regretter le passé. L'humain, lui, s'interdit certaines explorations mentales et la pression des pairs l'encourage. Au confinement. Mais si nous explorons librement tous les états, tous les mouvements possibles de nos noosphères, des possibilités immenses s'offrent à nous, de nouvelles rivières cérébrales, de nouveaux mouvements de l'esprit. Un serpent peut planer, un chien dressé peut ouvrir une porte ou utiliser une télécommande, des oiseaux peuvent compter, un poulpe peut innover et transmettre son savoir. Et notre cerveau, que peut-il faire? C'est dur, hein, d'avoir un cerveau? Jean Yann. It is most difficult to... Un Zisocha, J. Libérez votre cerveau. 266687ILJ-Cerveau-2. La neuroergonomie pour l'économie. De la connaissance. Al Gore est célèbre pour avoir promu, durant la campagne et la présidence de Bill Clinton, les « autoroutes de l'information », terme qui permit de véhiculer rapidement les enjeux de ce nouveau type d'infrastructure. Lançant plus tard la Brain Initiative, Barack Obama voulut « investir dans les meilleures idées avant tout le monde », ce qu'il fit. Les États-Unis ont traité les autoroutes de l'information d'une façon plus conséquente et plus sincère que n'importe quel autre pays en leur temps. Cela leur a donné la primauté sur le développement de technologies auxquelles ils avaient, certes, contribué, via leur recherche militaire sur les infrastructures informatiques décentralisées, mais dans lequel l'Europe aurait pu affirmer, elle aussi, avec le CERN notamment, son excellence. Pour un cerveau global. Les infrastructures de l'information, ce sont les câbles sous-marins, les satellites, la fibre optique, l'ordinateur quantique, etc. Nous les avons, même si elles doivent constamment évoluer en densité, en répartition et en puissance, avec par exemple le projet 03 Benetworks 1. L'histoire nous dira si ces projets relativement sains. Un jour de 3 billions, pour les autres 3 milliards d'individus qui n'ont pas un accès simple à Internet en 2016, qui bénéficient du soutien de Google et d'HSBC entre autres, ou le projet Internet.org et de Facebook, Samsung et d'autres compagnies. 107. 26668. Tralisés fonctionneront, ou s'ils seront remplacés par des initiatives ascendantes émanant de la société civile. Aucun d'entre eux, en effet, n'est désintéressé, et en ce sens, le rejet d'Internet.org par l'Inde n'est pas surprenant. Le projet, porté par Facebook, a largement été perçu comme une intrusion par le gouvernement du Premier ministre Modi. Aujourd'hui, Huawei est devenu un gigantesque plexus de câbles sous-marins, parmi les plus grands du Pacifique, et un plexus espionné à outrance par la NSA, qui l'a bardé de capteurs, illégaux au regard du droit international. Si nous possédons des infrastructures pour l'information, il nous manque des infrastructures pour la connaissance. L'humanité, ainsi que l'avait anticipé Nikola Tesla et que l'on discutait bien plus tard des philosophes comme Lawrence Davis et Ned Block, est en train de former un gigantesque cerveau collectif. Cette formation est loin d'être achevée. La vie multicellulaire de l'humanité a commencé au néolithique, mais l'idée d'humanité unie et indivisible, même défendue par de nombreux sages à travers les millénaires, même inscrite au Hall of Nations des Nations Unies, même visible dans les vers du grand Sadi de Shiraz, n'est toujours pas réalisée dans les faits. Des camps continuent de s'opposer, et les gens qui sont dans le seul camp de l'humanité sont rares. Alors si l'humanité d'aujourd'hui était un cerveau, ce serait un cerveau en gestation, parce que tel air attaquerait tel autre, et tel autre air tenterait de dominer tel autre encore. Mais ce cerveau global, dans lequel chaque être humain pourrait jouer son rôle en s'épanouissant, n'en est pas moins en formation. Nous avons vu que dans l'évolution des neurones et de leur système 1, la cellule nerveuse est apparue avant la cellule gliale, qui en a démultiplié aussi bien l'efficacité individuelle que collective. En ce sens, le système informatique de l'humanité peut être comparé, dans une certaine mesure, aux premiers neurones de notre cerveau global. Sa glie, cependant, relèverait d'une autre dimension, celle des infrastructures de la connaissance, capable de transférer non plus des bits d'information, mais des savoirs. Cette glie du monde, ce serait la neuroergonomie, l'art de présenter les savoirs d'une façon digeste et accessible, donc efficace. Un auquel, donc, on ne peut pas réduire tous les systèmes cognitifs, puisque les plantes, les champignons, les bactéries, qui sont tout cognitifs, n'ont pas de nerfs. 108. Libérez votre
26687ing-server. Transférer de l'information, créer du savoir. Transférer de l'information. 26687ing-server. 26688. 106. Libérez votre cerveau. 26687ing-cerveau-cs. 26688. 108. Libérez votre cerveau. Libérez votre cerveau. 26687ing-cerveau-cs6tc.indd 108 2 septembre 2016 14h38min59s. Transférer de l'information, créer du savoir. Libérez votre cerveau. L'information que dans la connaissance. Quand Rick montre connecté télécharge plus d'éléments par seconde, il le fait. Mais sachant que les algorithmes génétiques sont capables de la manipuler, ce que j'écris ici est appelé. Transférer de l'information, créer du savoir. L'information et le savoir ne sont pas la même chose. L'information est ponctuelle, le savoir est reproductible. Si un homme détient, un jour, l'information selon laquelle il se trouve une ville à près tant de kilomètres de forêt, à une époque différente, cette information ne sera plus forcément vérifiée. En revanche, si un homme sait faire du feu, il le saura à toute époque. La limite entre information et connaissance n'est pas toujours distincte. Prenons l'exemple du siège d'Alésia, savoir qu'il existe une faille dans la fortification de César, par laquelle des cavaliers pourraient échapper au siège, relève de l'information. Savoir comment les Romains établissent leurs fortifications, en général, relève de la connaissance, mais comme il n'y a plus d'armée romaine aujourd'hui, cette connaissance ne résiste pas au temps. La différence fondamentale entre la connaissance et l'information tient donc à ce que la connaissance, elle, est reproductible. Les services d'espionnage, en général, se spécialisent davantage dans l'information que dans la connaissance. Quand Richard Sorge, qui est considéré à raison comme le plus grand espion militaire de tous les temps, informa Staline que le Japon n'entrerait pas en guerre contre lui avant la chute de Moscou, il lui transmit une information, car non reproductible. La connaissance, qui relève de l'expérimentation dans le sens général du terme, appelle l'action une action aussi bien intellectuelle dans le cas des mathématiques que physique dans les autres domaines. La connaissance, enfin, est une affaire de cognition. Elle relève de ce qui est cognitif, donc vivant, et dépasse actuellement les ordinateurs. Une infrastructure de l'information relève de la communication d'ordinateur à ordinateur, comme la fibre optique, par exemple. Une infrastructure de la connaissance, elle, relève du cerveau humain. Elle est profondément différente. Quand un nouveau modèle de montre connectée télécharge plus d'éléments par seconde, il le fait. Mais sachant que les algorithmes génétiques sont capables de la manipuler, ce que j'écris ici est appelé à ne plus être vérifié dans un avenir assez proche. La neuroergonomie pour l'économie de la connaissance. 109. 26688 via l'infrastructure de l'information. Mais dans la chaîne de valeur de l'information, le dernier mètre, lui, est parcouru entre la machine et le cerveau humain. Ce transfert relève de la neuroergonomie. Les infrastructures de la connaissance sont neuroergonomiques. Mais vu notre méconnaissance profonde de l'adéquation média-cerveau, il n'est pas étonnant qu'elle soit aussi faiblement développée. Sion, car non reproductible. La connaissance, qui relève de l'expérimentation dans le sens général du terme, appelle l'action une action aussi bien intellectuelle dans le cas des mathématiques que physique dans les autres domaines. La connaissance, enfin, est une affaire de cognition. Elle relève de ce qui est cognitif, donc vivant, et dépasse actuellement les ordinateurs. Une infrastructure de l'information relève de la communication d'ordinateur à ordinateur, comme la fibre optique, par exemple. Une infrastructure de la connaissance, elle, relève du cerveau humain. Mais sachant que les algorithmes génétiques sont capables de la manipuler, ce que j'écris ici est appelé à la neuroergonomie pour l'économie de la connaissance. 109. 26687ing-server. Via l'infrastructure de l'information. Mais dans la chaîne de valeur de l'information, le dernier mètre, lui, est parcouru entre la machine et le cerveau humain. Ce transfert relève de la neuroergonomie. Les infrastructures de la connaissance sont neuroergonomiques. Mais vu notre méconnaissance profonde de l'adéquation média-cerveau, il n'est pas étonnant qu'elle soit aussi faiblement développée. Après les autoroutes de l'information, nous devons développer des autoroutes de la connaissance. Comme nous ne pouvons pas encore imprimer de connaissances dans le cerveau, même si cela pourrait rapidement devenir possible, nous devons passer par les canaux d'acquisition sensorielle que l'évolution, dans sa sagesse pratique, a développé en nous. La façon dont nous présentons la connaissance à nos sens peut profondément modifier son acceptation, sa compréhension et sa rétention. Or, c'est exactement de cela que nous avons besoin, de modes pour mieux transférer la connaissance. Aujourd'hui, en effet, nous produisons beaucoup plus de connaissances que nous ne pouvons en transférer. C'est un problème qui affecte aussi bien les États, les multinationales, que les petites et moyennes entreprises, les écoles ou les familles.
Appréhender ce que savent nos enfants ou nos parents est un exercice trop difficile pour l'empan de notre vie mentale. Aussi, nous devons apprendre en groupe, de toute urgence. Il serait fou pour notre cerveau de confiner le savoir à un seul neurone, c'est l'assemblée de neurones qui fait l'unité de l'expertise cérébrale. Et bien, il serait fou pour le cerveau de l'humanité de confiner le savoir à un seul humain, quand c'est l'assemblée d'humains qui est l'unité fonctionnelle du savoir. Notre école est encore largement aveugle à cette réalité, la plus brillante intelligence dont dispose l'humanité est collective. Pour toutes les choses qui comptent dans le cerveau, des popula. Tion de neurones travaillent en groupe, pour toutes les choses qui comptent dans l'histoire de l'humanité, des populations d'humains ont travaillé en groupe. Libérez votre cerveau. 110. L'économie de la connaissance, au fond, est la plus ancienne des économies. L'être humain échangeait des connaissances bien avant d'échanger des outils, des plantes ou des biens, d'inventer l'agriculture, le troc ou la monnaie. Aujourd'hui, la société la plus riche au monde, Apple, vend essentiellement de la connaissance, et Bagdad, du temps où elle vendait de la connaissance au monde, s'en sortait infiniment mieux que lorsqu'elle se mit à vendre du pétrole. De même, la Corée du Sud exporte bien plus que toute la Fédération de Russie aujourd'hui, alors qu'elle n'a aucune matière première à vendre. L'intérêt de l'économie de la connaissance, c'est que le savoir potentiel est infini. Tout ce qui est matériel est fini, mais le savoir potentiel est infini, étant immatériel. On ne peut avoir de croissance infinie dans le monde matériel, qui est fini, dans le monde immatériel, si. C'est le principe de non-rivalité. Des biens immatériels, ou, en entreprise, loi de Soudoplatov. D'après le cartographe Serge Soudoplatov, qu'il a formulé chez IBM en 1984, quand on partage un bien matériel, on le divise, quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. La valeur d'un livre n'est pas dans son papier mais dans ses lettres. J'ai publié des règles simples pour rendre accessible l'économie de la connaissance d'eux, et en particulier deux de ses propriétés fondamentales. Premièrement, la connaissance est prolifique. Comme les lapins, elle se reproduit vite, et sa quantité mondiale double rapidement environ tous les 7 ans en quantité, mais pas en qualité, c'est-à-dire seulement quand on compte tous les problèmes résolus dans toutes les disciplines. Deuxièmement, la connaissance est collégiale, la vérité est un miroir brisé dont chacun possède un petit morceau. Comme nous. Ainsi, il s'agit au fond d'une sagesse ancienne, formulée par exemple dans la tradition orale d'Amadou Empateba, le savoir est la seule richesse que l'on puisse entièrement dépenser sans en rien la diminuer. 2. J. Aberkan, Économie de la connaissance, Fondapol, 2015. Également, à simple paradigme for no économique, The Economy of Knowledge, Springer Lecture Note on Complexity, août 2. La neuroergonomie pour l'économie de la connaissance. 111. 2. 6. Un ego, nous avons tendance à croire que notre morceau de vérité représente le tout, ou du moins qu'il est plus gros que celui du voisin. Avons un ego, nous avons tendance à croire que notre morceau de vérité représente le tout, ou du moins qu'il est plus gros que celui du voisin, et que si nous donnons ce morceau de vérité, nous allons perdre en statut social. Les échanges de savoir, quant à eux, obéissent au moins à trois règles. D'abord, ils sont à somme positive, parce que quand on partage un bien matériel on le divise, quand on partage un bien immatériel on le multiplie. Si je vous donne 20 euros, je ne peux pas les donner aussi à quelqu'un d'autre. Par contre, si je donne à quelqu'un la connaissance de ce livre, je peux la donner à quelqu'un d'autre encore. Ensuite, les échanges de connaissances prennent du temps. Un transfert de propriété est instantané sur les marchés financiers, à tel point qu'il existe aujourd'hui du trading haute fréquence dont la limite légale est la nanoseconde 1, mais ce livre, par exemple, vous ne pourrez pas le lire en une nanoseconde. Enfin, les combinaisons de savoir ne sont pas linéaires. Si l'on met un sac de riz et un autre sac de riz ensemble, cela fait deux sacs de riz, c'est linéaire. Mais si l'on met deux savoirs ensemble, cela crée un troisième savoir, règle connue dès l'Antiquité, et à l'origine des grandes bibliothèques comme Herménopolis, Alexandrie, Pergame, etc. Tout le monde naît avec du pouvoir d'achat. On peut esquisser des équations simples pour définir les flux de connaissances. Pour acheter un savoir, il faut payer de l'attention multipliée par du temps. D'un point de vue économique, on peut ainsi écrire simplement. K-AT. Cela signifie que la connaissance échangée est proportionnelle à l'attention multipliée par le temps. Cette équation est limitée mais elle demeure puissante. Elle permet de fonder une économie. Int. Cela signifie que l'on peut échanger un sac de riz 1 milliard de fois par seconde sur les marchés financiers. Libérez votre cerveau. 112. 2668. De la connaissance avec une théorie de son pouvoir d'achat. Les économistes américains Beck et Davenport ont bien compris qu'il existait une économie de l'attention 1. Aujourd'hui, l'information est surabondante, mais l'attention, elle, est de plus en plus limitée. L'attirer vaut beaucoup d'argent. C'est pourquoi, lorsqu'on veut tâcher du savoir, il faut payer de l'attention fois du temps, d'où l'expression anglaise paye attention. Dans l'économie de la connaissance, l'unité de pouvoir d'achat n'est pas le temps mais l'att que l'on pourrait noter arrobas, avec deux barres, pour signifier une devise économique, soit une heure à attention maximale. L'attention maximale est une notion assez facile à saisir, vous y êtes quand vous êtes à ce point absorbé par un livre que vous ratez votre station de métro. L'att est donc l'unité d'achat de base dans l'économie de la connaissance. Pour télécharger un savoir dans son cerveau, c'est elle qu'il faut dépenser. D'un point de vue cérébral, on écrira plus précisément. I-K-A-T.
Quoi, le débit instantané de connaissance est proportionnel à l'attention, qui varie dans le temps. L'idée que, dans l'économie de la connaissance, le pouvoir d'achat est fixé en A a des conséquences magnifiques. D'abord, cela signifie que tout le monde est né avec du pouvoir d'achat. Le jeune Somalien n'est pas né avec 1000 dollars en poche, mais, même si l'accès au marché du savoir ne lui est pas encore garanti, il a de l'attention et du temps disponible à la naissance. Si l'on calcule un revenu mensuel des GAT de poche, des HAT pour consommation personnelle, il apparaît qu'en économie de la connaissance, le chômeur a un plus haut revenu que le salarié. Par ailleurs, si l'on compare un supermarché classique à un supermarché des savoirs, on observe deux différences fondamentales. Lorsque je visite un supermarché normal sans rien dépenser, mon pouvoir d'achat est inchangé, mais si je passe une heure dans un Davenport, T. H. et Beck, J. C. The Attention Economy, Understanding, la neuroergonomie pour l'économie de la connaissance. 113. 2666. Un supermarché de savoir sans rien acheter, j'ai bien perdu une heure, donc un hâte. Dans l'économie de la connaissance, le pouvoir d'achat n'est pas épargnable. De plus, dans un supermarché normal, le désir est maximisé par le marketing, c'est l'argent qui limite l'achat. Dans un supermarché des savoirs, c'est le contraire. Le désir détermine si vous allez dépenser un hâte dans un divertissement plutôt que dans un apprentissage. Cela signifie qu'il faut encore élaborer un marketing des savoirs, maximiser le désir d'acheter quelque chose quand l'offre est très supérieure à la demande. Capturer les hâtes. Marketing de la connaissance relève de la vulgarisation et de la neuroergonomie. Or, l'ergonomie maximale est atteinte quand on s'amuse. Les jeux sont redoutables pour capturer des hâtes. Quand une chaîne de télévision veut capter l'attention pour ses emplacements publicitaires, que diffuse-t-elle ? Un divertissement. Du football, par exemple, ou un jeu télévisé. Mais, en réalité, le summum de la dépense d'hâtes correspond plus à l'amour qu'à l'addiction. L'amour étant nécessairement addictif, mais l'addiction n'étant pas nécessairement amoureuse. Quand on est amoureux d'une personne, on a envie de lui donner toute notre attention et notre temps. L'économie de la connaissance maximise donc naturellement le pouvoir d'achat des amoureux. Si vous voulez maximiser votre débit de connaissances sur un sujet donné, faites en sorte de l'aimer, car seule cette condition vous garantira une haute dépense d'attention et de temps. L'économie de la connaissance est une économie du plaisir et de l'amour, et cela, Léonard de Vinci ou Victorin de Feltre l'avait bien rappelé, il n'y a pas d'excellence sans amour. Même sans amour, et du seul point de vue de l'addiction, les jeux demeurent d'excellents capteurs d'hâte. Le Super Bowl capte plus d'attention et de temps en un seul match que le monde universitaire. Ce qui est parfaitement le cas, puisque les savoirs mondiaux explosent, si nous produisons trop de savoirs, il faut encore donner envie aux gens de les consommer. Libérez votre cerveau. 114. 26668. En plus, plusieurs années, et c'est pour cela qu'un joueur de football est mieux payé qu'un doyen d'université, puisque l'attention et le temps des autres sont monétisables. Les jeux vidéo maintiennent également un trait au débit d'attention dans le temps. De 2004 à 2014, l'humanité a excédé les 7 millions d'années cumulées à jouer au jeu World of Warcraft. Moralité, si la connaissance vaut plus cher que le pétrole, le jeu vidéo vaut plus cher qu'un pipeline. Les équations que j'ai définies ne saisissent pas toutes les situations possibles, loin de là. Elles ne représentent que certains apprentissages, en des cas assez naïfs où le receveur de la connaissance ne connaît rien du domaine qu'il découvre, regarder un tutoriel YouTube sur un bricolage qu'on ne maîtrise pas, découvrir une nouvelle page Wikipédia. Dans d'autres situations, la connaissance entrant interagit, résonne avec la connaissance existante. Et cette résonance est à la fois plus intéressante et plus imprévue. Cible que dans le cas précédent. Pour raffiner un peu l'équation, on pourrait donc écrire I, K, A, T, plus sin, K, T. Sin, K, T signifierait la synergie de la connaissance entrant avec la connaissance initiale de l'apprenant, au cours du temps. Cette synergie pourrait être constructive, si je sais déjà me servir d'une perceuse, je comprendrai mieux le tutoriel bricolage sur YouTube, comme destructive, si je suis un expert de la voiture à moteur hydrocarbure, les règles de la voiture électrique vont me déstabiliser. De même qu'il existe des interférences destructives à deux ondes, une nouvelle connaissance peut entrer en conflit avec la précédente, et l'une peut détruire l'autre. C'est ce que l'on appelle la dissonance cognitive. D'où une équation plus générale, sans doute, mais beaucoup moins comprise aujourd'hui, car nous maîtrisons peu la science des résonances cognitives. I, K, A, T, RES, SP, EV. Ou bien, le débit instantané de connaissance est proportionnel à l'attention multipliée par la résonance entre l'activité spontanée et évoquée du cerveau RES, SP, EV. La neuroergonomie pour l'économie de la connaissance. 115. 26668. Cette résonance entre l'activité en cours du cerveau et l'entrée d'un stimulus, de Hahn et bien d'autres ont montré qu'elle contrôle l'accès à la conscience. En résumé, mes modèles d'économie de la connaissance ne sont que des esquisses pratiques mais améliorables, qui ne sont pas vérifiées dans certains cas plus compliqués, un peu comme en mécanique des fluides, il y a des modèles linéaires et des modèles turbulents, mais la leçon qu'il faut en retenir, à ce stade, c'est que l'attention multipliée par le temps est la monnaie la plus élémentaire pour acheter du savoir, et que l'on maximise la volonté de la dépenser quand on aime le sujet que l'on apprend. Encourager la dépense. Les personnes qui veulent acheter des savoirs sont comme le client d'un restaurant devant un menu sans indication de prix. Une telle situation n'encourage pas la consommation.
Si nous pouvions étiqueter tous les savoirs possibles selon leur prix en hâte, calculés empiriquement d'après les dépenses constatées de par le monde, nous mettrions au point une immense app store du cerveau dont les applications, savoir jouer du piano, savoir dessiner, médecine générale, ou piloter un avion de ligne, auraient chacune un prix variable dans le temps, à l'image du prix des biens et des services. S'organiserait alors une vaste compétition mondiale pour faire baisser le prix des savoirs à l'achat en changeant les modes de délivrance. Aucun problème, technique ou scientifique, ne résiste à la concentration des hâtes humains, et c'est une leçon gigantesque. Plutôt que de confiner la science à une caste consanguine qui est à notre époque ce que la prêtrise égyptienne fut à l'Antiquité, il faut l'ouvrir. Au plus grand nombre, sans peur de laisser erreur, pour maximiser les hâtes dépensées dans l'apprentissage. Cela, les pratiquants de la science ouverte, l'ont bien compris. Ils ont d'ailleurs pu observer que des problèmes difficiles, sur lesquels les meilleurs esprits individuels avaient échoué, étaient résolus par un, même si tout apprentissage n'est pas nécessairement conscient. Libérez votre cerveau. 116. 266668. La mobilisation collective des hâtes d'un bien plus grand nombre de gens, pourtant moins qualifiés. Si l'on construisait des atlasés, ou laserdates, nous pourrions concentrer d'énormes volumes d'attention et de temps coordonnés, qui résonneraient d'une façon positive sur un problème donné. Ces atlasés seraient des éléments essentiels de l'économie de la connaissance et de la géopolitique des savoirs. Bien plus efficaces scientifiquement, mais aussi moins chers que des accélérateurs de particules, ils permettraient de concentrer ponctuellement ou durablement l'attention et le temps de la population sur des problèmes précis, créant une immense valeur économique. Quiconque prototypera et mettra en œuvre de tels atlasés changera le monde. Depuis sa mise au point à la fin des années 1980, le modeste protocole de transfert hypertexte, le célèbre HTTP, imaginé au CERN par Tim Berners-Lee, a fait bien plus pour la science mon dial que le CERN lui-même, pourtant infiniment plus nantillant. Investissement public. Alors, si l'unité fondamentale du pouvoir d'achat dans l'économie de la connaissance est bien l'hâte, c'est de là avant tout qu'il faut dépenser, car il est plus important pour la recherche que l'argent lui-même. En aucun cas on ne doit réserver les dépenses d'hâte à une élite. Nous devons, au contraire, encourager la dépense d'hâte comme dépense publique décentralisée mais canalisée vers des objectifs scientifiques. L'émerveillement est un moteur précieux dans l'économie de la connaissance. Il est aussi bien dans la recherche que dans l'apprentissage, et ces quelques personnes qui se font une fierté à avoir castré leur émerveillement, cette caste qui s'imagine que le professionnel ne s'émerveille plus et qui le fait comprendre par son cynisme à l'égard de ses pairs ou des nouveaux entrants dans son métier, elle est heureusement en voie d'extinction. Il faut encourager l'émerveillement, et s'il y a bien un pays qui aujourd'hui investit délibérément dans l'émerveillement scientifique, ce sont les États-Unis. La France semble trouver l'émerveillement scientifique vulgaire, non professionnel et hors de propos. Je n'ai, pour ma part, aucun complexe à encourager le un centre européen de recherche nucléaire. La neuroergonomie pour l'économie de la connaissance. 117. 266668. War Effect, que j'ai appris d'une chose aussi vulgaire que les médias de masse. J'ai appris du communicant Phil Wacknell les trois étapes d'une bonne conférence. 1. Bon sang, ça je ne le savais pas. 2. Je suis bien content de le savoir. 3. J'ai envie d'en savoir plus. Et je me rappelle comme il insista sur la troisième, surtout, Idriss, ne rate pas la dernière étape, sans quoi tu n'auras pas rendu service à ton audience, puisque tu auras tué chez elle l'envie d'en savoir plus. Il faut donner faim et ne pas en avoir honte. N'ayez jamais honte de vous émerveiller, et ne croyez jamais que le professionnel, c'est celui qui ne s'émerveille pas. Libérez votre cerveau. 266687ilj-cerveau-cscs.indd118 2 septembre 3. Dans l'éducation. Vers une gastronomie des savoirs. L'enfer au buffet imaginé. Vous êtes dans un hôtel de grand luxe, devant un buffet à volonté. Le buffet de votre vie, viande grillée, menu végétarien, salade bar, caviar, huîtres et crustacés, sushi, pastrami, fromage savamment affiné, fruits frais, massage de pied, tout ce qu'il faut. Il y a des plats que vous n'avez jamais vus mais ils ont l'air appétissants, d'autres ont l'air étranges mais après tout, avec un bon maître d'hôtel, vous seriez prêt à les découvrir. Pour couronner le tout, vous avez faim, très faim. Beaucoup de gens appelleraient cela le paradis. Maintenant, imaginez que le maître d'hôtel surgisse en hurlant, tu dois absolument tout manger. Chaque assiette que tu laisseras sera portée sur l'addition, tu paieras non pas ce que tu as mangé mais ce que tu n'as pas mangé, et s'il reste trop d'assiettes pleines, non seulement l'addition sera mirobolante, mais en plus tu seras viré de l'hôtel, humilié, on fera une aide d'honneur pour se moquer de toi. Puis, le maître d'hôtel sort sa montre et ajoute, fatidique, tu as une heure. Quelqu'un l'a fait avant toi, donc on sait que c'est possible. Là, vous n'êtes plus au paradis, mais en enfer. Le buffet n'a pas changé, pourtant nous sommes passés du paradis à l'enfer rien qu'en changeant les règles du jeu. Qui a déjà traversé une telle épreuve? A priori, personne. Si vous aviez été forcé d'avaler tout un buffet aussi vite, votre perception de la nourriture. 119. 266687ilj. En aurait été bouleversé à jamais et des années entières de thérapie ne vous auraient probablement pas permis de vous en remettre. Pourtant, je peux vous garantir que ce cauchemar, nous l'avons tout déjà vécu, et pas seulement sur une journée, mais sur des milliers de jours. Cette situation se nomme, elle, éducation. L'école que nous appelons « traditionnelle » n'a rien de traditionnel, elle est industrielle, c'est tout. Socrate, Platon, Confucius, Vinci ou Victorin de Feltre n'enseignaient pas comme nous le faisons, mais notre mémoire intergénérationnelle étant très courte 6 générations au grand maximum, nous croyons que l'école des tables en rang et du tableau noir est la plus traditionnelle qui soit.
Or, elle n'a pas plus de 10 générations, sur une humanité qui en a couvert plus de 8000 et qui ne l'a pas attendue pour faire circuler les savoirs. Issue de la révolution industrielle, notre éducation est centrée sur la pensée de l'usine et sa vertu cardinale est la conformité. Pas la créativité, pas le caractère, pas l'amour des savoirs, pas l'épanouissement. Non, la conformité avant toute chose. La faillite de l'épanouissement. Pourquoi éduquons-nous ? Pour le bonheur intérieur brut ou pour le produit intérieur brut ? Nous connaissons toute la réponse à cette question. L'école désirée est celle de l'épanouissement, l'école imposée est celle de l'utilité économique. Et l'épanouissement est supérieur à l'utilité économique. Tout humain épanoui est économiquement utile, mais tout humain économiquement utile n'est pas forcément épanoui. Nos sociétés sont, hélas, en faillite de l'épanouissement, et cette faillite est d'autant plus banalisée que l'épanouissement n'a jamais été leur but. Parce qu'elles ont de béantes lacunes en matière de sens et d'épanouissement, nos sociétés considèrent comme normal, inévitable, voire sain sur le plan statistique qu'il y ait autant de suicides pour 10 000 habitants en leur sein. Chaque décennie, plus de 275 000 personnes mettent fin à leur jour au Japon. Cela représente une ville comme Strasbourg. En Chine, chaque décennie, 2,8 millions. 100 000 personnes se donnent volontairement la mort, l'équivalent d'une ville comme Paris. Je ne prétends pas que l'éducation est seule responsable de ces drames, mais si Suicide INC était une société. 120. Libérez votre cerveau. 266687. Côté en bourse, publiant ses atroces résultats trimestriels, l'éducation en serait un actionnaire important, sans aucun doute. Doute. On se suicide lorsqu'on est convaincu d'être inadapté à la société. Dans les tribus anciennes, tout humain du groupe était considéré comme adéquat a priori. Mais dans nos sociétés modernes, l'adéquation ne va pas de soi. À l'école, par exemple, si vous n'êtes pas en adéquation avec le système, c'est vous le coupable, pas lui. C'est une absurdité, l'homme construit des systèmes pour se servir, et ils finissent par l'asservir, lui. Cette situation se répète inlassablement dans notre histoire. Prenons le cas français. Au début, l'école était considérée comme une corvée non pas par les enfants mais par leurs parents. Pour les enfants, elle était en effet séduisante, entre assembler des bottes de foin et apprendre l'histoire de Jules César, le calcul était vite fait, et ce furent les parents qui s'opposèrent le plus volontiers à la scolarisation de leur progéniture, perçue comme une perte de temps. Aujourd'hui, cependant, comme l'école n'a que peu évolué, dans l'art de susciter l'attention des élèves, ces derniers ont le choix entre les médias de masse sur Internet et leurs cours. Bien sûr, ce ne sont pas les cours qui gagnent. Et l'école, qui était autrefois la corvée des parents, est devenue celle des enfants. À partir du moment où ce n'est plus à l'école de s'adapter à l'homme mais à l'homme de s'adapter à l'école, le ver est dans le fruit. Reprenons, par exemple, la métaphore du buffet. À l'école nous ne sommes pas notés pour ce que nous avons mangé mais pour ce que nous n'avons pas mangé. Quand une copie est corrigée, ce que l'on y voit, en rouge, c'est ce qui nous manque, pas ce que nous avons assimilé, qui va de soi. Ainsi, nous grandissons dans le conditionnement, nous apprenons à repérer d'abord que ce qui nous manque. Cela tombe bien, notre société est construite sur ce modèle, celui du manque plutôt que de la plénitude, de l'insatisfaction permanente plutôt que de la satisfaction simple, du négatif. Plutôt que du positif, etc. En France, obtenir 20/20, c'est avoir mangé le buffet en entier, mais personne n'a cette note en moyenne. Si nous laissons trop d'assiettes pleines, nous passons en dessous de la moyenne, et nous échouons à entrer dans la classe supérieure, une humiliation. Or l'éducation nous prépare à la société, et plus elle sera violente, stressante, douloureuse, frustrante et antifraternelle, plus notre société. Dans l'éducation. 121. 266687-ILJ-BAS. Manifestera à son tour la violence, le stress, la douleur, la frustration et l'individualisme. Quand, chaque décennie, 10 millions d'êtres humains l'équivalent d'une ville de la taille de Séoul décident de se donner la mort, ce n'est pas eux qui ont tort, c'est la société imparfaite où ils vivent. Il n'y a jamais de mal à être un homme. Ce qui ne va pas de soi, c'est l'humanité de la société, qu'il faut sans cesse construire, avec passion et vigilance. La théorie du « self-explode ». Et, sur le suicide, une théorie que je résume en une phrase, self-explode, littéralement, il auto-explose, ou, l'explosion du moi, self, est la contraction de self-image, elle, image de soi. On ne peut se suicider si l'on n'a pas une mauvaise image de soi-même. Cependant, l'éducation actuelle, parce qu'elle cherche toujours à nous montrer à quel point nous ne sommes pas conformes à son goût, nous donne bien plus souvent une image négative qu'une image positive de nous. Explo, est la contraction des explorations, on ne peut pas être suicidaire si l'on possède encore un goût pour l'exploration, au sens cognitif du terme, l'envie de faire des choses différentes, de voyager dans des lieux nouveaux. Mais l'exploration est fondamentalement bridée par la peur de perdre, la peur du risque, que l'éducation nous encourage à ressentir en nous confinant à des situations contrôlées, balisées, et en prenant la réserve plutôt que l'innovation. L'école actuelle n'encourage pas l'exploration, pour cette raison simple qu'elle est incapable de la noter. Elle se confine à une logique de moyens plutôt qu'à une logique de résultats, de sorte que les moyens priment sur l'efficacité, et que le moyen privilégié, c'est la note quantitative bien incapable de capturer la créativité.
D, enfin, signifie « désocialisation ». On s'imagine que la mission principale de l'école, c'est de socialiser les élèves, mais rien ne démontre que c'est le cas. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'école, échanger des savoirs, c'est tricher, alors que dans la vraie vie, cela s'appelle de la coopération. Le spécialiste de l'éducation Ken Robinson a bien diagnostiqué ce vice essentiel. L'école nous apprend à être des analphabètes du groupe, la fraternité n'y arrive que par accident, en cours de récréation, et entre élèves plus ou moins du même niveau. Libérez votre cerveau. 122. 2-6-6-6-8-7-ILJ-CERVEAU-CST-INDD 122 2 septembre. Elle nous apprend que les problèmes se résolvent seuls et que l'on ne peut faire confiance à un groupe pour les choses sérieuses. D'où notre conditionnement à espérer un sauveur providentiel. Si l'éducation travaille délibérément les trois self-explodes, cela tient à ses motivations. Comme dans la métaphore du buffet, le problème n'est pas ce qu'elle enseigne mais pourquoi et comment elle enseigne. Nos ministères et nos administrations sont bloqués sur le quoi, les programmes, fossilisés dans une logique des moyens et non des résultats. Ce qui compte, c'est que la méthode soit respectée, on ne pense pas une seule seconde que le problème vienne d'elle. Faire rentrer quelque chose d'aussi subtil et raffiné que le cerveau humain dans un bricolage administratif rudimentaire et vieux de 2 siècles, la note ne nous pose aucun problème. Nous nous sommes piégés dans une civilisation de la note. Des étiquettes et des classements monodimensionnels, et nous sommes tellement conditionnés à réagir aux étiquettes qu'un jour nous marquerons « grand vin de Bordeaux » sur une bouteille de cola et qu'il se trouvera des gens pour la boire comme telle. Or les étiquettes ne sont que des ombres déformées de la réalité. Une fois que vous retirez le cadre castrateur des étiquettes de votre cerveau, vous voyez le monde tel qu'il est, dans sa richesse, sa beauté et sa subtilité. C'est une expérience libératrice merveilleuse. Cette expérience a à voir avec la façon dont nous pouvons aller de l'enfer au paradis en éducation. Ce n'est pas à la réalité de rentrer dans nos cases, nos classements, nos notes, c'est à nos notes de se conformer à la réalité. Alors pourquoi enseignons-nous ? Réponse, pour l'industrie, pour l'économie, à qui il faut des pièces conformes, commoditisées, et dont le comment de l'éducation suit ce pourquoi fondateur. Pourquoi enseignons-nous ? Pour l'industrie, où les places sont limitées. Du coup, comment ? Enseignons-nous ? Industriellement. À l'école du gavage, le cerveau dépendant est conforme. Comme je le disais plus haut, notre modèle d'éducation relève du gavage. Il y a un programme à avaler, et il faudra l'avaler au rythme prévu par les formulaires éducatifs. Dans ce système, l'appétit des élèves est indifférent, il n'émerge que par accident, non par dessein. Dans l'éducation. 123. 2-6-6-6-8-7-ILJ. Éducatif, puisque l'école n'est pas conçue pour le stimuler. Tout retard dans l'absorption standardisée du programme sera bien sûr puni. Certains élèves arrivent à l'école avec de l'appétit, ils sont rares, et souvent leur appétit initial s'estompe ou se voit remplacé par une simple addiction à la note, que nous présentons comme une vertu, alors qu'au fond, elle est un vice pour les autres, leur dalive va être particulièrement pénible. Si vous avalez trop de nourriture sans la mâcher, vous vous sentirez mal, parce que votre système nerveux digestif, qui est très intelligent, vous le signalera. On appelle notre système nerveux autonome, et en particulier digestif, le « deuxième cerveau », parce que c'est la partie du corps qui contient le plus de neurones après le « premier cerveau ». Nous serions scandalisés si l'école gavait le deuxième cerveau de nos enfants de force, ne serait-ce qu'une seule journée, alors pourquoi accepter qu'elle procède de même ? Avec leur premier cerveau ? Ailleurs, la façon naturelle qu'a notre système digestif d'absorber de la nourriture, c'est le plaisir. Manger n'est une corvée pour personne, c'est un moment positif et gratifiant. Alors pourquoi faudrait-il qu'il en soit autrement pour notre premier cerveau, qui aime naturellement apprendre ? N'est-il pas surprenant qu'autant de personnes finissent essaimées par la connaissance ? Est-ce une vertu, est-ce du mérite que de faire partie des happy few qui survivent à cet essaimement organisé ? Comment expliquer qu'une chose aussi intellectuellement stimulante et épicée que les mathématiques soit détestée par tant de gens de par le monde ? Certaines personnes aiment immédiatement les mathématiques, d'autres doivent apprendre à les aimer petit à petit, mais personne ne devrait jamais en être dégoûté. C'est un crime contre la conscience humaine que de les transmettre d'une manière qui exclura forcément des élèves, et il est plus grave encore de prendre ce mode pour vertueux. L'empan minuscule de nos sciences a besoin de ce qu'un maximum d'humains soit versé dans leurs connaissances, et il n'y a rien d'utile ni de noble à faire d'elle un club élitiste. Qu'obtenons-nous à gaver physiquement les oies ? Du foie gras. Alors qu'espérons-nous obtenir en davant des élèves ? Du cerveau. 1. D'où l'expression anglaise « good feeling », littéralement, les sentiments des tripes. Libérez votre cerveau. 124. 2-6-6-6-8-7-ILJ-CERVEAU-CST-INDD Bon, bah du coup, on va se quitter sur ça. C'était vachement intéressant. C'est très intéressant comme lecture. Je vais mettre ça dans un coin, je suis à la page 124. Ok, bon. Vraiment très intéressant, je me doute que ça va pas intéresser grand monde sur ma chaîne YouTube. À la limite, je m'en fous. Moi, que ça m'intéresse, moi, c'est déjà pas mal. Mais voilà, je voulais vous faire partager quand même cette lecture, parce que je trouve que c'est vachement... ça apprend beaucoup de choses, mine de rien. C'est pas une lecture inutile.
Il y a beaucoup d'ouvrages qui servent à rien, hein, ça c'est vrai. Mais il y a aussi des ouvrages qui demandent à être connus. Et celui-là, je pense que c'en est un qui devrait être mieux connu, mieux reconnu, parce que, en fait, ça montre toutes les diversifications qu'il y a de nos sociétés, et surtout le problème qu'on a sur cette société. Ça montre, en fait, tous les problèmes qu'on a, sociétal, entre guillemets, mais aussi au niveau des cases, quoi. Parce que voilà, ça nous met dans des cases. Et c'est ça qu'il faut virer, justement. Il faut virer ces options-là pour que tout le monde soit mis dans des cases, que tous les êtres humains soient dans des cases. Tiens, lui, il a un diplôme. Tiens, il n'a pas de diplôme. Tiens, celui-là, il est blanc. Celui-là, il est jaune. Celui-là, il n'a pas de cheveux. Celui-là, il a des cheveux. Toutes ces sortes de discriminations, ça devrait disparaître. Et là, en fait, ce qu'il dit, là, dans son texte, c'est totalement ça. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en cours, quand j'étais gamin, je me souviens que on était là en train d'avaler des informations mathématiques sans les comprendre et sans battre complètement les couilles. C'est vraiment le terme avaler, tu vois. Avaler au rythme prévu par les formulaires éducatifs. C'est exactement ça. Et c'est justement ce que j'ai détesté d'ailleurs. J'ai détesté ça, mais au plus possible, quoi. Je savais pas, j'avais pas encore compris dans quel cas ils essayaient de me mettre. Mais oui, c'est exactement ça. Ils essaient de nous conditionner pour être un parfait petit pantin pour l'industrie. Voilà. C'est pour enseigner pour l'industrie. C'est exactement ce qu'il y a écrit. C'est exactement ça. Donc j'espère que bah, vous avez aimé cette lecture. Je ne sais pas si vous avez la même idée que moi par rapport à ce qui se passe dans le monde. Je vois les choses d'une manière assez simple. Hein. Mais surtout, je vois plus loin que le bout de mon nez, surtout. C'est pour ça que ma chaîne YouTube s'est marquée quand même, nous ne pardonnons pas, machin, référence à Anonymous. Pas pour rien, hein. C'est parce que vraiment j'ai cette façon de penser depuis un petit moment. Et donc du coup, voilà. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette petite lecture, c'est pas moi qui l'ai lue, hein. C'est la synthèse vocale, elle a du mal d'ailleurs, la synthèse vocale. Hein. De temps en temps, elle bug. Bon, ça dépend un petit peu du logiciel, je pense. Voilà, donc du coup, c'est cool, cette petite lecture. Je continuerai la lecture quand même demain, je pense. Et puis, ben, je pense qu'on terminera le livre et puis on fera une petite conclusion, tout ça. Très, très intéressant. Je suis tombé à la base sur cet ouvrage parce que je regardais en fait une vidéo d'un gars qui expliquait quelque chose. C'est Idriss, je sais pas quoi. Il y avait en fait comme une espèce voilà, une interview, c'est ça, c'est une interview, en fait, le gars il discutait avec, voilà, sur plein de choses par rapport à l'informatique, par rapport au quantique, par rapport aux puces RFID qu'on pourrait nous implanter sous la peau dans quelques années, que j'espère pas que ça arrivera. Ça parlait aussi d'Elon Musk avec son programme Neuralink, où il veut connecter, enfin interconnecter l'humain et l'informatique. Bien sûr, je suis contre. Et du coup, c'est vachement intéressant parce que lui aussi, il dit qu'il est contre, il y a plein de choses. Mais voilà, il en retire que dans son entretien qui dure, je sais pas, je crois presque 1 heure. Ouais, c'est assez long hein, comme vidéo. Mais très intéressant et ça explique beaucoup de trucs intéressants. C'est pas une secte. Hein. S'il y a beaucoup de trucs un peu sectes sur Internet, ça, c'est pas du tout une secte. C'est juste pour te rendre plus intelligent, te rendre compte un peu de ce qui se passe autour de toi. Et puis de voir un petit peu plus loin que le bout de ton nez. Dans l'idée, c'est un peu ça. J'ai beaucoup apprécié ce qu'il a raconté là, puis après, j'ai vu qu'il avait écrit un livre. Alors je me suis dit pourquoi pas aller regarder cet ouvrage. Alors c'est pas souvent que je regardais des livres sur Internet, mais là, c'est vrai que pour le coup, ça m'a tenté. Donc j'ai été téléchargé directement ici, libérez votre cerveau, Ibrick, voilà. Format PDF, en téléchargeant où vous voulez. Donc non mais voilà, donc du coup un bel ouvrage, en plus plutôt bien écrit, avec des mots pas trop compliqués à comprendre, parce que souvent ils adorent dans les livres mettre des textes ou des mots en tout cas qu'on ne comprend pas. Alors là il y en a quand même quelques-uns qu'on ne comprend pas, mais globalement c'est compréhensible. Voilà. C'est pas non plus un jargon politicien comme on peut avoir à la télévision. Parce que les trucs à la télé, généralement on comprend rien. Et d'ailleurs c'est fait exprès. Hein. Faut quand même savoir un truc, c'est que ça soit en informatique ou dans n'importe quel métier, les jargons de travail,
Donc tout ce qui est jargon de travail, c'est fait pour une seule chose en fait, que le public ne puisse pas comprendre. C'est moi, si je te parle d'informatique, je vais te sortir des termes qui sont incompréhensibles, mais qui pour moi, informaticien, je comprends. Mais voilà, c'est ça le but en fait, et c'est ce que font les politiciens aussi. C'est-à-dire qu'ils ont plein de mots pour pas qu'on comprenne, et c'est fait exprès en fait. Ni plus ni moins. Voilà, bon, je pense qu'on va se quitter sur ça. J'espère en tout cas que vous avez kiffé cette petite lecture. Alors bien sûr, ça change complètement de mon contenu que je fais habituellement, mais d'habitude, il n'y a pas grand monde, donc on va pas. Hein. On s'en fout, hein. Et donc voilà, et après si vous voulez que j'en fasse des live gaming, pas de problème, mais bon là ça me paraissait intéressant de s'instruire. Parce que ben c'est quand même intéressant de comprendre un peu comment fonctionne le monde, même si ben, c'est franchement de la merde, hein, on va pas se mentir. Et voilà. Et mais ouais, de se rendre compte vraiment pourquoi ils font ça, comment ça agit, machin, bidule. Et du coup, tu peux peut-être réussir à trouver des choses intéressantes, comme des phrases que j'ai écrites ici, par exemple. Bah, je vais vous citer une partie de la phrase, puis après je vais me coucher. Je vais vous mettre dans un. Bah, je vais vous mettre dans un truc sur internet. Alors, je vais aller voir. Ça s'appelle Weird Wintered Online. Donc, ça, c'est un site internet qui permet donc de lire les textes. Enfin, en tout cas, moi, je m'en sers pour ça. Chacun s'en sert pour ce qu'il veut. Moi, il me sert à ça, perso. Contrairement aux sociétés traditionnelles et natives, où l'existence est une. Donc, c'est un tout petit texte, hein. Il n'y a pas un grand texte, c'est pas comme une énorme lecture comme tout à l'heure. Ça va juste expliquer deux, trois petites choses qui sont super intéressantes. Place et où perdre sa place est une perspective tellement terrifiante que que l'on l'on fait fait tout tout pour pour y y rester. rester. Dans Dans nos nos sociétés sociétés postmodernes, postmodernes, la la place place ne ne va va pas pas de de soi. soi. D'où D'où une une culture culture de de la la place place fixe, fixe, hein, hein, qui qui est est à à la la fois fois une une culture culture de de la la conformité conformité et et de de l'exclusion. l'exclusion. Car Car notre notre société société est est une une sorte sorte de de machine. machine. Alors, Alors, pour pour y y avoir avoir une une place, place, il il faut faut être être une une pièce pièce conforme conforme et et d'une d'une certaine certaine qualité. qualité. C'est C'est précisément précisément ce ce que que fait fait de de nous nous l'école. l'école. D'une D'une masse masse d'enfants d'enfants ouverts, ouverts, créatifs, créatifs, spontanément spontanément fraternels fraternels et et non non conformes, conformes, à à fait fait des des pièces pièces séparées. séparées. Vous Vous avez avez étudié étudié à à Polytechnique. Polytechnique. Votre Votre salaire salaire sera sera supérieur supérieur à à celui celui d'un d'un ancien ancien élève élève de de l'université l'université de de Tours, Tours, parce parce que que dans dans l'usine, l'usine, la la pièce pièce sortie sortie de de Polytechnique Polytechnique est est plus plus chère. chère. L'école L'école est est une une colonne colonne de de décantation décantation qui qui crée crée des des classes, classes, et et c'est c'est pour pour cela cela qu'elle qu'elle ne ne peut peut pas pas satisfaire satisfaire tout tout le le monde, monde, il il est est un. un. Heureusement, Heureusement, alors alors où où j'écris j'écris ces ces lignes, lignes, cette cette culture culture est est en en plein plein bouleversement. bouleversement. Libérez. Libérez. Et Et votre votre cerveau, cerveau, 3826667ing-bas cerveau je tiret bas 16, peux passer. il vaut Il vaut mieux mieux un un débutant débutant enthousiaste enthousiaste qu'un qu'un prix prix Nobel Nobel déprimé. déprimé. Combien Combien d'élèves d'élèves entrent entrent à à l'école l'école avec avec de de l'enthousiasme l'enthousiasme et et peu peu de de savoir-faire? savoir-faire? Il est parti un peu loin. Je vais vous mettre par là. Contrairement Contrairement aux aux sociétés sociétés traditionnelles traditionnelles et et natives, natives, où où l'existence l'existence est est une une place place et et perdre perdre sa sa place place est est une une perspective perspective tellement tellement terrifante terrifante que que l'on l'on fait fait tout tout pour pour y y rester. rester. Ah, c'est vrai qu'il y a des petits problèmes. Contrairement Contrairement aux aux sociétés sociétés traditionnelles traditionnelles et et natives, natives, ok, où l'existence. on peut pas passer. Il Il vaut vaut mieux mieux un un débutant débutant enthousiaste enthousiaste qu'un. qu'un. Bon, bah, du coup, je vais vous faire le Il vaut reste de mieux la un débutant. lecture à la main parce que. Bon, en gros, ça dit donc souvent lorsqu'un aigle dans un pays ne ressemble pas à un pigeon et sera méprisé dans une série. Ah, non, en fait, c'est un peu plus. C'était plus haut, je crois. Ouais, c'est plus haut. Ah, bon, bah, je vais vous le lire ici direct. C'est pas grave. Allez, vous allez voir ma belle lecture, comment elle est magnifique. Ah, du coup, j'en étais à où, moi? Libéro de 0, ouais, c'était là, ok. Donc, inscrite dans son casier des charges, qu'elle doit être de recevoir des usagers, et par principe, et décevoir l'homme, et plutôt que l'usine, qui est client final, pour changer de l'école. Bah, de toute façon, ça c'est vrai, hein, c'est-à-dire qu'il nous favorise, en fait, à être des parfaits, pour aller en usine, quoi, en fait. Il suffirait d'admettre que l'humain est le client par le système. Nelson Mandela a eu 1000 fois raison de clamer que si vous voulez changer le monde, l'éducation, machin, bon, ça on l'a déjà entendu. Mais enfin bon, pour ceux qui étaient là juste avant, c'est la même phrase. Et après, je vais juste passer sur le deuxième. Donc souvent, attends, non, c'est pas là. Attends, il est où l'autre? Il y avait deux textes. Ah oui, c'est celui-là. Donc souvent qu'il a souvenu qu'il était un aigle dans un pays où tout ce qui ressemble pas à un pigeon sera méprisé, alors une série d'examens destinés à sélectionner le pigeon le plus conforme et l'aigle échouerait lamentablement et il devrait s'en vouloir pour autant.
tous les extraordinaires que j'ai pu rencontrer, évidemment, se sont opposés à la conformité, c'est mon cas. Ils n'ont pas essayé d'entrer dans un moule, ils ont été un moule eux-mêmes, ce qui est l'ordre naturel de l'humanité. Nous ne sommes pas là pour nous conformer à une empreinte, mais pour laisser la nôtre. Aucun de ces personnages n'était du genre à rester à sa place, sauf s'il s'était placé et qu'il s'était défini lui-même. Et pour le temps seulement, tu étais devenu autonome. Attends. Et pour un temps seulement. Non, pour un temps seulement, tout était devenu autonome dans leur soif d'apprentissage. Donc c'est exactement ce qu'est en fait les autodidactes. Ce sont les gens qui apprennent d'eux-mêmes. Et c'est en fait moi-même, hein, c'est-à-dire que je suis autodidacte, donc voilà. Et donc une petite chose intéressante aussi, là, donc il vaut mieux, donc un débutant enthousiaste, et ça je pense que j'ai balancé dans mes CV de motivation, juste pour faire chier les employeurs, pour leur faire comprendre en gros que bah, c'est des connards sans leur dire que c'est des connards. Je trouve ça pas mal. Il vaut mieux donc un débutant enthousiaste qu'un prix Nobel, ou combien d'élèves rentrent à l'école avec l'enthousiasme et peu de savoir, et en sortent avec un peu de savoir, et plus aucun enthousiasme. C'est pourtant l'enthousiasme qui motive le savoir-faire et pas l'inverse. C'est totalement vrai, c'est exactement ça. Et donc une autre phrase intéressante. La sommation de l'humanité et la conformité forcée de surcroît me rappelle la fable soufif de l'aigle et de la vieille femme. Un aigle épuisé tombe au pied d'une vieille femme qui n'a jamais vu de pigeon. Qui n'a jamais vu que des pigeons. En fait, elle a vu que des pigeons. Bon, on va le faire court. Hein. Au point que les pigeons soient le seul oiseau qui soit familier. Donc en fait, ça veut dire que cette vieille dame, elle aurait vu qu'une seule chose. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de savoir qu'est-ce que... Voilà. Admettons, c'est comme si un enfant, il a vu que des triangles. Et il va se dire, ok, il n'y a que des triangles. Puis après, il va avoir un carré. Il ne saura pas le mettre dans le trou, parce que ben, ça paraît débile, mais c'est un peu ça, quoi. Bon, là, c'est un peu schématisé, parce que là, c'est un peu plus crédible, j'ai envie de dire. Parce que la suite, c'est qui n'a jamais vu donc le pigeon, au point que ce soit le seul oiseau, donc familier. Plein de pitié, elle recueille l'aigle et lui dit « Tu n'as vraiment pas l'air d'un oiseau, toi ?» J'aurais bien voulu vous montrer la suite, parce que vraiment, c'est super intéressant. Par contre, c'est peut-être pas la bonne page, je vais retourner. Il est où? Hop, 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 hop. Ah, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le reste, mais ça, je vais vous montrer quand même. Hop, il est où? Tiens, en fait, je vais me coucher, moi. La sommation de l'humanité. J'espère que je vais retrouver. Alors, faut peut-être marquer des mots-clés, genre oiseau, je pense qu'il n'y en a pas 50 000. Voilà, oiseau. Oiseau ne suffit pas à voler. Oiseau, seul oiseau familier, on y est. Donc je vous lis la suite. Donc le recueil de l'aigle lui dit alors tu n'as pas l'air d'un oiseau et lui ampute alors une partie du bec, lui taille les serres, puis lui arrondit les aigles avant de le laisser prendre l'envol brinque-ballant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire en gros que un enfant qui vient de naître, qui est un petit peu docile, un peu, voilà, qui un gosse, quoi, et qui est pas conforme, du coup. Et ben du coup, ils vont essayer, du coup, de le rendre conforme, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Ils connaissent pas la non-conformité, donc comme ils connaissent la conformité, ils veulent arrondir les angles, couper les ailes, je sais pas, lui couper le bec, parce qu'ils ont vu que ça, voilà. Globalement, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'une société qui a vu que un cas de figure... Bah, elle est incapable de gérer un autre cas de figure, et donc du coup, elle va lui casser les ailes, elle va lui couper le bras, la tête, le bec, bref, vous avez compris l'idée. C'est une métaphore, en fait, pour parler de la société qui casse, en fait, les gens. Voilà, c'est une métaphore. Hein. Pour ceux qui connaissent pas trop les métaphores, c'est ça, en gros. C'est de dire, des mots qui vont, en fait, globaliser la gueule telle que la société est créée. Qui plaît absolument à personne, hein, d'ailleurs, parce que de toute façon, quand on voit les nombres de personnes qui trouvent pas de travail ou alors qui veulent pas en chercher, parce que simplement, c'est de la merde.
Voilà, on va pas se mentir. Je veux dire, s'ils changeaient leur façon de faire, peut-être que les gens auraient envie de travailler. Et ça, moi, j'en suis sûr. Ça va peut-être faire de la politique, moi, plus tard, je sais pas. Bref, du coup, moi, je vais vous laisser les gens. J'espère que vous avez aimé ce petit live qui n'a rien à voir avec d'habitude. Je sais pas s'il y a des gens qui sont vraiment intéressés par ce genre de vidéo, mais bon, on verra bien. Et puis, de toute façon, mon live de gaming, il n'a pas intéressé grand monde, donc bon. Voilà. Puis, je suis un petit peu plus intelligent que du gaming, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas faire ça. Allez, moi, sur ce, je vais vous dire à plus. Il n'y a absolument personne sur mon live. Ouais, ok. Bon, en même temps, c'est un live d'éducation. Ça marche. Eh ben, écoute, ma foi, bonne soirée. Ciao, ciao!